Bonsoir à tous et toutes. Alors, j'ai pas de micro si jamais il y a. Vous me dites s'il faut élever la voix pour ceux qui sont... vous êtes mis derrière. Je voulais commencer par vous dire que je suis pas forcément hyper à l'aise en public. En fait, c'est quelque chose qui a tendance à m'angoisser complètement. Et du coup, en général, j'ai un peu un temps de préchauffe. Partez pas avant 15 minutes parce que les 15 minutes, souvent, c'est un peu chiant et faut attendre de voir quoi pour se faire une idée. Je sais que ça se fait pas dans les conférences gesticulées, mais j'ai des notes sur. Parce que sinon, mon cerveau, il part un peu en hyperactivité. Il voit tout ce que vous faites, en fait, et du coup, je suis complètement déconnectée de ce que je fais. Et il y a même écrit quand je dois boire et tout, sinon je finis en déshydratation avant la fin. Donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'en tant que femme, on est statistiquement moins à l'aise en public. Ça a été étudié par des chercheurs et ça s'observe dans les réunions, dans les débats. On voit qu'on... prend moins la parole en public en termes de temps de parole, en termes de nombre d'interventions. Et puis, il y a quelque chose qui est hyper remarquable, c'est qu'on se fait le plus souvent couper la parole que les hommes. Et moi, je me suis rendu compte que je me suis tellement habituée à ça que quand on me laisse parler pendant longtemps toute seule et qu'on me laisse dire mon idée jusqu'au bout, j'ai un peu peur qu'on me laisse dire une bêtise jusqu'au bout et du coup, j'ai tendance à m'auto-couper la parole. Et du coup, je cherche des signes d'approbation des personnes qui me regardent. Et du coup, comme je suis censée parler pendant 2 heures ce soir, toute seule, pour le bon déroulement de la conférence, je vais vous demander d'être un public expressif. Je vais vous demander de sourire si vous êtes heureux d'être là, de rigoler bien fort si vous trouvez ça drôle, et puis bien sûr de hocher la tête si vous êtes d'accord. Donc maintenant que les bases sont posées et que la relation de confiance se fait, je vais voilà pour éviter d'avoir à trop parler au début, comme ça je vais me détendre un petit peu. Je vais vous passer une vidéo. Alors c'est une vidéo de danse parce que j'aime beaucoup la danse. Alors c'est une vidéo de danse classique. Moi c'est pas trop ça que je fais. J'ai toujours été en admiration devant les danses autour du bassin, donc j'ai fait de la danse orientale à partir de 13 ans. C'est une vidéo de danse classique, et c'est une vidéo où on voit Misty Copeland, c'est une publicité. Misty Copeland, c'est la première femme noire américaine à avoir obtenu l'équivalent de danseuse étoile aux États-Unis. Et quand on lit son autobiographie, on se rend compte qu'elle... elle a rencontré beaucoup de problèmes dans son parcours, ça a été très dur pour elle, notamment elle s'est confrontée au racisme du milieu de la danse. Alors le milieu de la danse, c'est un milieu où il y a beaucoup d'étapes de sélection, où il y a beaucoup de normes aussi sur le corps des femmes. Dans l'harmonie du ballet, les règles, c'est que c'est bien d'avoir des femmes qui se ressemblent au niveau des corps et tout ça pour que ce soit harmonieux sur scène. Et donc on lui a dit, oui, mais une femme noire au milieu de femmes blanches, c'est pas très harmonieux, donc on est désolé, voilà. Et puis même pour les rôles de solistes, par exemple sur le lac des cygnes, je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais il y a un cygne blanc et un cygne noir, et on lui a dit, un cygne blanc peut pas être dansé par une femme noire, alors que le cygne noir a toujours été historiquement dansé par des femmes blanches. Elle s'est confrontée à pas mal de problèmes et finalement elle a réussi à devenir danseuse étoile. Je vous en dis pas plus, on regarde la vidéo et on en reparle. Chère candidate, nous vous remercions d'avoir soumis votre candidature pour joindre notre académie de ballet. Malheureusement, vous n'avez pas été sélectionnée. Vos pieds, tendons d'Achille, en dehors, hauteur de torse et buste, ne sont pas appropriés au ballet. Vous n'avez pas un corps de ballerine, et à 13 ans, vous êtes déjà trop âgée pour être admise. Thank you.
Alors, ce slogan, pour ceux qui parlent pas anglais, en français, on a un petit peu l'équivalent. Donc, on pourrait dire quand on veut, on peut. Ça tombe bien, c'est le titre de la conférence. Alors, je ne sais pas si vous, elle vous fait réagir cette vidéo, mais avec le contexte que je vous ai donné, ça ne parle pas du tout du racisme auquel elle a pu se confronter. Ça dit qu'elle n'a pas été sélectionnée au début, mais qu'elle n'a jamais lâché et que finalement, avec sa volonté, elle a réussi. Mais ça ne dit pas. Pourquoi elle n'a pas été sélectionnée au début et qui décide de ces critères de sélection si, à la fin, on se rend compte que en fait, c'était une super danseuse. Pourquoi elle a été recalée au début? Combien de danseuses potentiellement talentueuses ont été recalées aussi et n'ont jamais obtenu ce grade de danseuse étoile? Ça ne dit pas pourquoi elle a dû en chier 10 fois plus que les autres pour y arriver. Ça ne dit pas, finalement, qui décide de ce système de sélection. Et voilà. Et ça dit juste qu'elle en a. Elle a beaucoup travaillé et avec sa volonté, elle a réussi à y arriver. Alors, ce slogan, il est à la base de ce qu'on appelle la méritocratie. La méritocratie, alors vous avez la démocratie, c'est le pouvoir, l'organisation des pouvoirs par le peuple. Méritocratie, c'est l'organisation des pouvoirs par les personnes qui sont les plus méritantes. La méritocratie, c'est une façon d'organiser les pouvoirs dans la société en pouvoir politique, culturel, économique au sens large, en le donnant aux personnes qui seraient les plus méritantes. Et donc, on définit le mérite soit par un don naturel qu'on pourrait avoir, ou souvent c'est plus par le travail acharné des personnes. Et notre enseignement supérieur est basé sur cette idée. Et il est couplé à ce qu'on appelle l'élitisme. Alors l'élitisme, c'est l'idée de donner plus d'argent pour la formation d'une élite à qui on va confier certains hauts postes, des postes à haute responsabilité. La méritocratie permet de justifier le fait qu'on donne plus d'argent à certaines personnes parce que, comme c'est les plus méritantes, ce serait justifié qu'on donne plus d'argent pour leur formation. Et donc ça donne un système où c'est assumé que c'est inégalitaire, mais c'est des inégalités qui seraient justes puisque redistribuées aux plus méritants. Alors moi, je viens d'une famille très méritante. Mon père, il voulait être photographe et il vient de Pantin en Seine-Saint-Denis et il a dû travailler sur les marchés quand il était petit pour aider sa mère à payer son école de photo. Il n'a jamais lâché, il a fini par y arriver. Et après 40 ans, il a voulu changer de métier, il est devenu charpentier, il a repassé un CAP, et ça a été très compliqué financièrement de changer de métier comme ça, de se reconvertir là-dedans, mais il n'a jamais lâché, et finalement, aujourd'hui, il fait le métier qu'il aime, et voilà. Et ma mère, elle vient de La Courneuve, toujours en Seine-Saint-Denis. Son père, il était ouvrier métallurgiste, et sa mère était femme de ménage, et elle voulait être comédienne, et dans sa famille, dans son milieu, c'était pas un métier qui était considéré comme un vrai métier, c'était pas un métier qui se faisait, quoi. Et du coup, elle s'est beaucoup battue au sein de sa famille pour faire ce métier-là. Et une fois qu'elle est arrivée dans le monde du théâtre, culturellement, elle n'avait pas les bons codes. Et ça a été très compliqué aussi de se confronter au milieu du théâtre, étant donné d'où elle venait, quoi. Mais elle n'a jamais lâché, elle s'est battue. Et puis, aujourd'hui, elle fait le métier qu'elle aime. Et c'est pour ça que je dis que je viens d'une famille très méritante. Mais c'est pas pour ça que la société a donné à mes parents plus de responsabilités ou de pouvoir dans la société. C'est que dans les publicités, il faut toujours se méfier des petites astérisques et des petites lignes qui sont associées au slogan. Et je vous propose que ce soir, on décrypte ensemble ces petites lignes, les petites lignes qui se cachent derrière la méritocratie. Et par contre, on va sortir du milieu de la danse, parce qu'en plus d'aimer la danse, j'aime les maths. Du coup, on va parler d'école d'ingénieurs qui a son propre système de sélection qui est aussi très intéressant à étudier. Et je fais ça sous la forme d'une conférence gesticulée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le format, mais c'est l'idée, donc ça vient de l'éducation populaire politique. L'idée, c'est qu'on est tous et toutes porteurs de savoir et qu'on est capable de restituer du savoir et d'analyser notre vie politiquement en transmettant ce qu'on a vécu. Et donc l'idée, c'est de mélanger du savoir froid, du savoir académique, et du savoir chaud, donc du récit de vie,
Et donc, si vous mélangez du savoir chaud et du savoir froid, ça ne fait pas du savoir tiède, mais ça fait de l'orage. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de produire voilà, un contenu politique, de poser un débat, en fait, un débat situé. Et donc, comme le disait Alix, je le fais dans le cadre du projet Former l'ingénieur citoyen d'Ingénieurs sans frontières, qui est... donc, c'est une grosse association de solidarité internationale, mais donc ce projet-là travaille sur comment faire pour transformer nos formations ingénieurs pour répondre plus aux valeurs que porte la fédération. Je vous en reparlerai après. Alors, si j'ai choisi ce titre pour ma conférence gesticulée, c'est parce qu'on m'a souvent dit que j'étais l'incarnation de cette phrase, parce que je venais d'un milieu qui ne me prédestinait pas forcément à finir dans l'école qui fait rêver beaucoup de grand-mères, l'école polytechnique. Alors, Polytechnique, c'est une école d'ingénieurs créée en 1794, donc on est pendant la Révolution française, et l'idée, c'est d'en finir avec l'aristocratie, donc de payer des études pour les aristocrates, et de passer à un concours méritocratique, où là, on donnerait accès à tout le monde, quel que soit son milieu social, grâce à un concours unique pour tout le monde, on donnerait accès aux grandes études. Et donc l'idée, c'est de passer de l'aristocratie à la méritocratie. Alors, ce concours, il est quel que soit son origine sociale, mais il n'est pas encore quel que soit son sexe, puisqu'il va falloir attendre 1972 pour que les femmes soient acceptées à l'école. Assez récent. En école d'ingénieur, au niveau de la France, on est 29% de femmes. À Polytechnique, on était dans ma promotion 14%, donc on était plutôt mauvais élèves. Et donc on est des promotions de 500, donc on est des promotions où il y a 400 élèves français qui ont le statut de militaire et qui sont rémunérés pour avoir ce statut-là. Et il y a 100 élèves étrangers aussi qui n'ont pas ce statut. Et donc c'est Napoléon qui va militariser l'école en 1804 et qui va lui donner sa devise qui est encore... on nous apprend encore aujourd'hui, qui est « Pour la patrie, les sciences et la gloire ». C'est tout un programme. Alors, je vous propose qu'on sépare cette phrase en deux, de faire d'un côté, se poser la question bah, « Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Est-ce qu'on désire tous la même chose ?» Et après, une fois qu'on désire la même chose, est-ce qu'on a tous les mêmes possibilités, les mêmes capacités d'y arriver? Et la première chose que je vais dire, c'est que l'ambition et la volonté, ce sont des choses qui sont définies socialement. Donc ça veut dire que suivant d'où on vient, on ne désire pas les mêmes choses dans la vie. Moi, par exemple, je viens de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. On vient tous de Seine-Saint-Denis, dans ma famille. J'ai toujours voulu être chanteuse, puis j'ai voulu aussi être costumière de théâtre. Et c'est des métiers qui sont dans l'art et l'artisanat, comme mes parents, finalement. C'est des milieux que je connaissais bien. Et si j'ai décidé de faire des maths, c'est parce que... au lycée, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de maths qui ont monté une association qui nous faisait un petit peu de l'initiation à la recherche en maths et qui nous ont surtout fait rencontrer des chercheurs en mathématiques. Et du coup, moi, pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré un chercheur. Pour moi, enfin, j'en avais vu que dans les films avant, pour moi, ça ressemblait plus à ça. Et pour moi, un chercheur, c'était quelqu'un qu'on avait repéré à 3 ans... et qu'on avait mis dans une école de surdoués, et puis qu'il avait de la fumée qui sortait de la tête en permanence. Et voilà, et en fait, j'ai découvert que non, c'est juste des personnes qui sont passionnées par leur métier, qui ont fait les bonnes études, et qui se retrouvent à faire ce métier, qui est un métier comme un autre. Et la deuxième chose qui m'a fait choisir de faire des mathématiques, c'est qu'en terminale, mon prof nous a parlé de géométrie non euclidienne. Alors, la géométrie non euclidienne, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, la géométrie euclidienne, c'est celle qu'on apprend à l'école traditionnellement. Typiquement, vous vous mettez dans un plan comme ça, plat, et vous avancez tout droit, bah, vous faites une droite. Jusque-là, tout va bien. Cette droite, bah, vous allez passer une fois par chaque point, si vous avancez tout droit. Et maintenant, si vous vous placez dans un espace qui est non euclidien, par exemple une sphère, et que là, vous marchez tout droit, et bah, vous allez obtenir un cercle. Et là, vous allez passer une infinité de fois par les mêmes points en marchant tout droit. Et en fait, en géométrie non euclidienne, toutes les propriétés qu'on a apprises à l'école depuis le début, elles s'écroulent juste parce qu'on a changé d'espace et qu'on a changé de normes. Et moi, je trouvais ça génial de tout d'un coup, on remet en cause tout ce qu'on a appris. Et du coup, j'avais envie de savoir la suite, quoi. Donc ça m'a décidé à faire des maths.
Et après, la question qui s'est posée, c'est est-ce que je vais en classe préparatoire ou est-ce que je vais à l'université? Et en fait, c'est vrai que nous, la classe préparatoire dans mon lycée, on nous en parlait un peu comme le truc hyper difficile que personne ne fait, enfin, qu'il n'y a que les très très bons qui font et qui n'est pas très accessible, quoi. Et je me suis rendu compte plus tard que dans les grands lycées parisiens, typiquement, quasiment tout le monde fait une classe préparatoire et c'est plus la norme. C'est pas du tout quelque chose qui est vu comme le truc de l'élite, mais vu comme la norme que tout le monde peut faire. Mais moi, le seul exemple de personne que je connaissais qui avait fait une classe préparatoire, c'était une amie de ma sœur qui avait fait une dépression au bout d'un an et qui avait pris 10 kilos et qui avait arrêté. Donc, je ne voyais pas trop l'intérêt de s'embarquer là-dedans, quoi. En termes d'image, je ne comprenais pas trop. Du coup, j'ai décidé d'aller à la fac, quoi. Et c'est vrai que pour revenir vraiment sur cette question des inégalités suivant les lycées ou les collèges où on se trouve, moi, je me suis rendu compte que dans le 93, on avait moins d'heures de cours qu'ailleurs. Parce qu'en fait, les profs sont plus souvent absents et sont moins souvent remplacés. Et donc, dans un des départements les plus pauvres, finalement, on a moins d'heures de cours. Donc, en termes d'égalité face à l'éducation, c'est vrai que ça pose déjà pas mal de questions. Et puis, en plus, les profs qu'on a ont des statuts plus précaires. Ils sont plus souvent vacataires. Ils ont plus souvent des statuts précaires. Et moi, dans mon collège, j'étais contente parce que j'avais vachement de profs qui étaient jeunes. Et en fait, un prof jeune, c'est un prof qui n'a pas choisi d'être là. Parce que plus vous avancez dans la carrière et plus vous avez le droit de choisir où vous allez. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas choisi d'être là et qu'ils vont partir assez vite. J'ai eu des très bons profs qui sont partis très vite. Mais... Et donc, voilà, pour dire que j'ai finalement choisi de faire la fac et je me suis demandé, je n'y connais rien, où est-ce que je vais? Il y a plein de facs en France, où est-ce que je vais? Et mon prof de maths de terminale a dit, la meilleure fac pour faire des maths, c'est Orsay. Du coup, j'ai dit, ok, je vais aller à Orsay. Et alors, en fait, il avait fait Orsay, et s'il avait fait Jussieu, il m'aurait peut-être dit que la meilleure fac pour faire des maths, c'était Jussieu, et je me serais peut-être retrouvée à Jussieu. Comme quoi, il y a pas mal de hasards comme ça qui font qu'on se retrouve là où on est. Et quand je suis arrivée à la fac, on m'a parlé que c'est important de faire son projet professionnel. Alors, je ne sais pas ici si on vous en parle beaucoup, mais c'est important de définir son projet professionnel, de savoir où on va et de le tracer. Et alors moi, j'avais tout prévu, du coup, j'ai eu mon bac à 17 ans. J'avais 3 ans de licence, ça me faisait 20 ans. 2 ans de master, 22 ans, 3 ans de doctorat, 25 ans, et c'était parfait parce que j'avais lu un jour dans un magazine féminin qu'il vaut mieux avoir son premier enfant avant 25 ans pour limiter les risques du cancer de col de l'utérus. Et du coup, c'était parfait, quoi. Ça collait, mon projet de vie, mon projet professionnel collait parfaitement, et j'avais bien réfléchi, quoi. Et j'ai eu un bouleversement de ce projet professionnel qui est en troisième année de licence. On me propose par voie d'affichage ce concours ouvert à l'école polytechnique pour la filière universitaire. Donc, ils en prenaient 10, toutes licences confondues. Et en fait, moi, je ne connaissais pas trop cette école, à part qu'ils défilent le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Et je ne connaissais pas trop le métier d'ingénieur, donc ça ne m'a pas marqué plus que ça. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est que Orsay nous proposait une préparation pour ce concours qui nous préparait à l'oral, en fait. Et c'est vrai qu'à la fac, on fait très peu d'oral, et du coup, moi, je me suis dit, ça peut être hyper intéressant de suivre cette formation à l'oral. Et du coup, le deal, c'était de passer le concours dans la suite. Du coup, je suis allée hyper détendue au concours, parce que moi, qui ne suis pas douée à l'oral, pour le coup, j'y suis allée hyper détendue. Et du coup, je l'ai eu. Et je pense que si j'avais voulu l'avoir, je pense que je ne l'aurais pas eu parce que j'aurais été hyper stressée et ça ne se serait pas bien passé. Et du coup, je me retrouve avec cette information. J'ai le concours de l'école polytechnique. J'appelle mon père, je lui dis « Papa, donc j'ai passé le concours pour l'école polytechnique et je l'ai eu. » Il m'a dit « Ah, ma fille va devenir militaire. » Et je viens d'une famille plutôt anti-élitiste, plutôt anti-militariste. Alors, faire le choix de l'école polytechnique, c'était quand même pas anodin, quoi. En plus, moi, j'ai fait partie de... Quand j'étais au lycée, dès la seconde, j'ai fait partie de plusieurs mouvements lycéens.
Donc le premier, c'était contre la loi d'égalité des chances de François Fillon, qui était à l'époque ministre de l'Enseignement. Après, il y a eu le contrat première embauche l'année d'après. Mais en fait, très jeune, dès 15 ans, je me suis confrontée aux premières charges de CRS. Et donc, j'ai vu des personnes que je connaissais, qui n'étaient pas du tout dangereuses, qui avaient fait de mal à personne, et tout d'un coup se faire tabasser par les forces de l'ordre. Et on se construit avec un rapport aux forces de l'ordre qui est particulier quand même. Quand on voit ça, on ne se dit pas que c'est des gens qui sont là pour nous protéger, quoi. Et rentrer dans cette institution-là, pour moi, c'était pas quelque chose de facile. Et puis en plus, je voulais être chercheuse en maths, je voulais pas être ingénieure, donc je ne comprenais pas trop pourquoi il faudrait que j'y aille. Et on m'a dit, t'inquiète pas, Polytechnique, ça forme à tout. Super. Et en fait, effectivement, je me suis rendu compte que les écoles d'ingénieurs, en général, c'est plus un... Enfin, suivant l'échelle de l'élitisme où vous êtes dans les écoles d'ingé, c'est plus un label qu'on met sur le CV que des compétences particulières. Finalement, des polytechniciens, il en sort dans plein de spécialités différentes. Et la seule chose qui nous réunit, c'est qu'on a été sélectionnés au même endroit et qu'on a ce label d'excellence. En fait, j'avais une amie qui était en thèse à Orsay, elle venait d'un milieu qui la prédestinait pas trop à faire des maths plus tard, et du coup, elle en avait un peu chié aussi dans son parcours, et du coup, je m'identifiais pas mal à elle, et elle m'a dit, écoute, Lola, si tu veux pas aller à Polytechnique, t'y vas pas, et puis c'est tout. Et puis après, elle a vu ma responsable de licence qui lui a dit « Non, mais c'est n'importe quoi. Lola, elle travaille à côté pour payer son loyer, ses études. Si elle sera payée pour faire ses études. Si elle veut faire une thèse, elle aura plus facilement un financement de thèse. Voilà, elle aura des conditions d'études bien meilleures. Donc, ça ne se refuse pas. » Donc, ma pote est venue me voir. Elle m'a dit « En fait, Lola, ça ne se refuse pas trop. » Ok. Alors, à aucun moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à aucun moment, on va me dire tu auras une meilleure formation là-bas. On me dit tu auras plus de moyens pour faire tes études. Et effectivement, donc j'étais payée pour faire mes études. L'état des bâtiments était incroyablement propre. On n'avait pas l'impression d'entrer dans une usine désaffectée quand on allait en salle informatique. On n'avait pas besoin de prendre une couverture en amphi l'hiver. Le chauffage marchait, c'était extraordinaire. L'état du matériel était neuf. Il y avait une piscine sur le campus. Practice de golf. Et puis, si vous avez un projet associatif, vous pouvez faire appel à des entreprises qui sont prêtes à payer pour qu'on s'éclate, quoi, pour qu'on fasse tout un tas de projets. Donc ouais, c'est vraiment une question de moyens financiers, quoi. Avec le recul, je me dis, alors ça, j'avais une très bonne formation en termes de d'acquis et de compétences. On était en retard, là. Il m'avait dit que je serais 10 minutes en retard. Bref. Et donc je disais oui que c'est finalement en termes de formation on n'a pas des meilleurs profs parce qu'on est à Polytechnique, on a une formation de qualité comme on peut l'avoir à la fac, mais que c'est vraiment en termes de moyens à disposition que ça change. Et voilà, tout ça pour dire que finalement j'avais pas vraiment la volonté d'entrer dans cette école et que c'est plus le hasard des rencontres qui m'ont fait arriver là où je suis. Et puis en plus, ça bouleversait complètement mon projet professionnel parce que 3 ans de licence plus 4 ans d'école, ça faisait finir à 24 ans et du coup, j'avais plus de place pour la thèse. Donc j'avais décidé de ne pas faire de thèse. Voilà. Tout ce que je vous raconte là, dans le jargon institutionnel, on appelle ça l'autocensure. Alors l'autocensure, c'est cette idée que... on va se censurer tout seul et dire « non, je ne suis pas capable de faire cette chose » ou alors « je n'imagine pas que c'est possible ». Alors c'est assez pratique parce que en fait, c'est tout le système, prof, conseiller d'orientation, parents et tous les gens qui vous entourent qui vous censurent depuis longtemps. Et puis l'autocensure, ça permet de dire que c'est la personne toute seule qui se censure. C'est un transfert de responsabilité qui est assez intéressant. Et en fait, c'est principalement sur la question de l'autocensure que les programmes d'égalité des chances d'aujourd'hui vont agir.
Je sais pas s'il y en a ici, mais nous à Polytechnique, on avait une grande école Pourquoi pas moi. Il y a des trucs comme les cordées de la réussite, donc c'est des trucs où des programmes où il y a des personnes issues de grandes écoles qui vont parler à des lycéens dans les milieux populaires et qui vont leur dire ne vous auto-censurez pas, osez passer le concours, venez. Et en fait, donc c'est principalement là-dessus que les programmes d'égalité des chances s'axent, alors que ce qu'on va voir ce soir, c'est qu'il y a encore tout ça à remplir et qu'il y a encore plein d'autres problèmes que les programmes d'égalité des chances ne soulèvent pas du tout et n'agissent pas dessus, quoi. Donc on va regarder maintenant plutôt du côté système de sélection sur la question des examens, des concours, etc. Et on va voir que c'est un peu là que tout score, c'est que c'est un peu le début des problèmes. Alors l'arrivée à Polytechnique, ça a été un petit peu la découverte d'un nouveau monde. On a un mois de formation militaire initiale et puis ensuite on a 7 mois de stage dit de formation humaine. Alors en gros ça veut dire pour la plupart partir 7 mois dans l'armée. Pour moi c'était j'ai pu le faire dans le civil et on est accueilli, on nous fait des grands discours. Vous sortez des jupons de votre mère, de la classe préparatoire. On va faire de vous de vrais hommes. Et c'était fou parce que j'avais l'impression qu'on allait nous réapprendre la vie, alors que moi ça faisait 3 ans que j'étais autonome financièrement, que j'habitais plus chez mes parents. Je me disais bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Et puis en plus, moi ce qui m'avait fait vachement grandir, c'était de prendre mon autonomie et d'apprendre l'autonomie comme ça. Alors que là, bah, on nous disait comment nous habiller, on était en uniforme, on nous disait en combien de temps on devait prendre notre douche, nos journées étaient organisées à la minute près, des fois. Des fois, on attendait au garde à vous qu'on nous dise qu'est-ce qui va se passer, quoi. On nous expliquait comment ranger notre chambre, comment ranger notre placard. Et même une fois sur le campus, une fois la formation militaire terminée, on avait ce qu'on appelle des revues de caserne. Alors le caserne, dans le jargon militaire, c'est la chambre. Donc c'est des militaires qui passent une fois par an regarder qu'on a bien rangé notre chambre. Et puis, comme on gagne tous la même chose pour les élèves français et qu'on a tous le même loyer, nos demandes d'APL sont faites de manière groupée. C'est vrai que je sais pas vous, mais moi, me confronter à l'administration et aux démarches administratives en général, c'est quelque chose qui m'a fait vachement grandir, quoi. Surtout quand il y a eu des problèmes. Et du coup, je comprenais pas du tout cette logique. J'avais l'impression qu'on nous apprenait pas du tout à être des adultes, quoi. On faisait tout pour nous, mais en tout cas, eux, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils allaient nous apprendre autre chose, visiblement. Et la position de l'armée dans l'école, c'est le choix de l'école, c'est de dire qu'ils nous forment humainement, c'est la formation humaine et militaire, et comme on est de futurs managers, futurs cadres, il faut qu'on... Enfin, la formation humaine, c'est ce qui va nous donner le... nous donner une idée de ce que c'est que le commandement, le management, en fait. Donc, c'est une vision du management par obéissance totale à la hiérarchie, qui est une certaine vision que certains défendent, mais qui peut se remettre en cause, quoi. Alors, à l'armée, on nous apprend le garde à vous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un chef de section qui arrive et qui fait « à mon commandement, section à mon commandement, garde à vous !» Et là, tout le monde se met comme ça. Et attend les ordres, c'est la posture pour attendre les ordres, ou pour en donner. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que les militaires, ils se foutent pas mal de notre gueule au début de la formation, parce que comme on dort pas, parce qu'on se fait bizuter la nuit, qu'on fait beaucoup de sport, que c'est en plein soleil, qu'on est en uniforme, on a chaud, et ben il y en a, ils stressent un peu, et quand ils se mettent au garde à vous, ils arrêtent leur respiration, et du coup, avec tous ces facteurs-là, ça fait qu'ils tombent dans les pommes, et donc pendant les cérémonies, on voit des gens qui tombent comme ça. Du coup, les militaires, ça les fait beaucoup rire, et enfin bref, voilà. C'est dangereux le garde à vous. Donc tout ça pour dire que ça a été un grand changement où pour moi la fac, prendre mon autonomie, ça avait été hyper formateur. Là on était dans quelque chose de complètement différent. Et en école d'ingénieur, dans la plupart en tout cas, on a de grands discours sur le fait que c'est important de s'intégrer dans sa promotion, que c'est important la cohésion entre nous. Alors moi je me disais c'est super, on nous apprend la solidarité.
Et en fait, j'ai découvert qu'on nous apprend que la solidarité entre nous, pas la solidarité avec l'extérieur, que en fait, cette solidarité, cette cohésion dans le groupe, c'est une façon d'organiser l'esprit de corps, finalement, de nous organiser entre nous, d'organiser nos privilèges. Voilà. Moi, je sais que, bon, on en a déjà des privilèges de par notre statut social, mais typiquement, moi, si j'ai un problème financier un jour, je peux aller voir l'association des anciens de Polytechnique et ils vont m'aider financièrement. Donc, on a une espèce d'assurance vie comme ça qui est organisée en plus des privilèges qu'on a déjà. Et puis pour s'intégrer, faut faire partie. Enfin, il y a une vie associative qui est très riche, et notamment il y a les associations dites les plus cool de l'école. Il y a tout un système de sélection pour arriver à entrer dans ces associations-là. Il y a des entretiens faits auprès des anciens élèves, enfin de la promotion d'avant. Il y a même certaines associations où on vous demande d'être corvéable à merci pendant un certain temps pour vérifier que vous êtes compétent à quelque chose. Voilà. Et du coup, c'est rigolo de voir comment le système de sélection finalement qu'on connaît se répercute complètement dans la vie étudiante. Alors, heureusement, toutes les associations ne sont pas comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'est le haut du panier, ça se passe comme ça. Et alors, pour s'intégrer à la promotion, il y a tout un tas de... Enfin, s'intégrer, c'est payant. Il y a tout un tas d'événements incontournables pour s'intégrer, notamment le week-end d'intégration, qu'en général, dans la plupart des écoles d'ingénieurs, on a. Mais nous, on avait aussi, comme on était en section sportive, moi j'étais en volet, on avait le week-end section, et on avait aussi le voyage section. Alors, le voyage section, pour vous donner une idée... Nous, donc c'était les anciens qui l'organisaient, la promo d'avant, et comme j'étais en section volet, il fallait absolument qu'on fasse du beach volet pendant ce voyage section. Et comme c'était à la Toussaint, et ben, pour faire du beach volet, il fallait qu'on parte en République dominicaine. Et donc ça coûtait 1000 euros. Alors moi je me suis dit, ben, on est tous payés 800 euros par mois, on a tous un loyer à payer, ça fait réagir personne, tout le monde peut sortir 1000 euros comme ça pour partir au voyage section. Alors j'ai demandé aux gens comment vous faites. Ils m'ont dit demande à tes parents. Alors moi à cette époque-là, je gagnais plus que mon père, donc je me voyais mal lui demander 1000 euros pour partir en République dominicaine, jouer au beach volley avec des gens que je connaissais pas. C'était un peu bizarre, quoi. En plus, moi, j'avais jamais pris l'avion de ma vie à cette époque-là, et j'avais très peu voyagé, donc ça me paraissait assez fou comme proposition de premier voyage, quoi. Et donc, j'ai dit, ça, c'est une option qui n'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres options? Et l'autre chose qu'on m'a dit, c'est, t'as qu'à faire un prêt. Suivant où je le dis, les réactions ne sont pas les mêmes en face. Moi, ma mère m'a toujours dit, tu dépenses que l'argent que t'as, et éventuellement, tu fais un crédit si un jour tu veux t'acheter un appart, mais c'est tout, quoi. Du coup, emprunter de l'argent pour partir en vacances en République dominicaine jouer au beach volley, ça me paraissait complètement, complètement absurde, quoi. Ce que je me suis rendu compte assez vite, c'est que des choses qui me paraissaient évidentes à moi paraissaient pas forcément évidentes aux autres, et inversement. Et le concept que j'ai beaucoup... expérimenté dans cette école, c'est le concept de norme sociale. Alors la norme sociale, c'est un comportement qu'un groupe va adopter et il apparaît tellement, il est tellement naturel que, il est tellement adopté par tout le monde qu'il apparaît comme naturel et on se rend plus compte qu'il existe, quoi. Et quand on change de milieu social ou culturel, et ben on se confronte à des normes sociales qui peuvent être différentes et se rendre compte qu'il y en a qu'il y en avait dans notre groupe social à nous. Voilà. Et pour vous donner un exemple, il y avait un sujet de conversation que moi j'avais pas du tout l'habitude d'avoir avant et qui là était très présent à l'école. C'était le sujet des voyages. C'était quelque chose dont beaucoup de gens parlaient, beaucoup de gens avaient voyagé, et notamment ça donnait des discussions du style « Ah oui, Madrid, c'est surfait, tout le monde y est déjà allé. » Oui. Alors finalement, ça fait pas mal de conversations où t'as rien à ajouter,
peux pas participer particulièrement parce que tu connais pas, donc t'écoutes, t'apprends plein de choses, c'est chouette. Et ça nous arrive à tous hein, de nous retrouver dans une conversation et de pas savoir, enfin d'avoir rien à apporter et d'apprendre des choses. La question c'est combien de fois ça nous arrive dans la semaine ou dans la journée et surtout qu'est-ce que ça dit de nous de pas participer à cette conversation. Alors le milieu social à Polytechnique, comme en école d'ingénieur en général, il est beaucoup plus élevé que dans la moyenne nationale. Et plus vous montez sur l'échelle de l'élitisme des écoles, et plus ce phénomène est amplifié. Et c'est un phénomène qu'on appelle la reproduction sociale. Ça a été étudié, enfin le grand papa de tout ça, c'est un sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu. Et ce truc-là, ça dit simplement que tu as plus de chances de faire des études prestigieuses si tes parents sont issus d'un milieu qui a fait des études, quoi, d'un milieu plus aisé. Et Pierre Bourdieu, il parle de ce phénomène en disant que finalement nos parents nous lèguent un héritage culturel qui est plus ou moins favorisé par le système scolaire. Donc il y a certains bagages culturels, certains héritages qui sont perçus négativement par le système scolaire et d'autres qui sont perçus positivement. Technique. Un jour, je parlais avec un pote et je parlais de quelqu'un que j'aimais pas trop et donc je lui dis à lui, je l'aime pas parce que c'est vraiment un gros bourge, quoi. Alors finalement, l'histoire, c'est que alors, je n'étais pas allée au premier voyage section, mais le deuxième, j'avais économisé, j'aimais bien les gens de ma section, j'aimais bien le volet, alors j'y suis allée. Cette fois-ci, c'était aux Canaries. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans un hôtel où il y avait des énormes cafards, et donc je discutais avec cette personne qui me dit « Non, mais le monsieur Tartampion qui n'a pas l'habitude de partir en vacances, il est content, mais moi, je ne peux pas me contenter de ça. » Alors moi, qui n'avais pas beaucoup voyagé, j'aime pas non plus les cafards. Et du coup, quand je disais c'est un gros bourge, je trouvais que c'était un peu justifié, quoi. Mais non, mon ami en face de moi, il me dit « Lola, ça se fait vraiment pas, t'es anti-riche. » Alors j'ai dit « Bah non, c'est pas vrai, j'ai même un ami riche. » Et c'était avant Nadine Morano, j'étais hyper sincère et en plus j'ai des amis riches depuis que je suis à Polytechnique et je les aime beaucoup, enfin, c'est des gens très sympas. Tout ça pour dire qu'en fait tu dis un truc qui t'apparaît complètement, enfin qui est complètement habituel et tout d'un coup la réaction que t'as en face est pas du tout la même. Et donc tout d'un coup ta vie ça devient un peu un champ miné où tu définis des zones où il vaut mieux pas s'aventurer. C'est là que la mise en scène arrive. Voilà, tu définis des zones qu'il vaut mieux éviter. Tiens, les bouteilles sont de moins en moins costauds, ça va se casser la gueule un jour. Et donc, tu fais un petit périmètre autour. Une fois que tu en as trouvé une de mine, tu balises un petit peu pour éviter de... Voilà, tu t'anticipes un petit peu pour éviter de péter sur une mine comme ça. Et des fois, c'est juste un changement de vocabulaire, hein, mais il faut juste être au courant, quoi. Faut le savoir. Et comme je vous l'ai dit, moi, je viens d'une famille qui a des valeurs plutôt très à gauche. Et donc, j'ai fait plusieurs mouvements lycéens. Et pendant ces mouvements, moi, j'ai appris énormément de choses en termes d'organisation collective. C'est hyper formateur d'organiser des assemblées générales, de se dire comment on répartit la parole, qui prend la parole, comment on prend des décisions ensemble, comment on organise un service d'ordre pour la nuit qu'on va passer au lycée. J'ai jamais été autant au lycée de ma vie qu'à ce moment-là. Et pourtant, donc, ça avait été très formateur pour moi, et pourtant, les gens autour de nous, les adultes, nous disaient... arrêtez de faire les gamins, retournez en cours et laissez les élites décider parce qu'elles savent mieux que vous comment le monde fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer. Et c'est vrai qu'à force de faire des mouvements lycéens où finalement on n'obtenait pas grand-chose à la fin, on avait des petites victoires mais pas tant que ça, je me suis dit si ça se trouve en fait ces personnes-là ont raison et que
Finalement, moi, j'y connais rien à comment le monde y fonctionne, et peut-être que c'est ça, que les élites savent mieux et qu'il faut les laisser décider. Et donc, du coup, le jour où on m'a dit que j'allais faire de l'économie dans l'école de l'élite de la nation, je me suis dit, chouette, je vais comprendre enfin le monde, quoi. Alors, je ne sais pas comment se passent les cours d'économie ici, mais le cours d'économie, c'est un prof qui te fait une superbe démonstration hyper logique, hyper mathématique, et à la fin, tu n'es pas d'accord. Politiquement, t'es pas d'accord avec la fin, quoi. Et c'est très bizarre au début, parce que tu te dis, mais pourtant, c'est logique, chaque phrase et tout. Et en fait, tu te rends compte que si tu changes la première phrase, c'est comme la géométrie non euclidienne, tout se casse la gueule, quoi. Il suffit de changer les hypothèses et t'as des résultats complètement différents. Et je me suis rendu compte, beaucoup plus tard, que l'économie de gauche, ça existait. Juste, on nous l'enseignait pas dans cette école-là. Et moi, ça ne me dérange pas qu'on enseigne de l'économie de droite, mais juste, il ne faut pas me dire que c'est de la science neutre et impartiale, quoi. Qu'on ne me dise pas que c'est la vérité, qu'on me dise que c'est une façon de faire de la science et qu'il y en a d'autres, quoi. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on avait vraiment un formatage sans aucun warning à une pensée dominante qui était la pensée de le progrès technique va nous sauver. C'est comme ça qu'on percevait toutes les problématiques environnementales, toutes les problématiques sociales, c'était le progrès technique qui allait apporter la solution. Et c'est une croyance, hein, ça, que le progrès technique va nous sauver. C'est pas quelque chose qui a été démontré par qui que ce soit. Hein. C'est une croyance en la science. C'est une croyance qui permet de ne pas remettre en question le système de consommation, le système politique dans lequel on est. Et c'est vrai que si jamais j'avais été d'accord politiquement avec la dernière phrase de la démonstration du prof, peut-être que je me serais dit « c'est génial, en fait, j'ai raison, quoi. Scientifiquement, ce que je pense, c'est validé. » Et c'est hyper dangereux de former de futurs dirigeants de cette manière-là. Et c'est vrai que, dans tous les cours, on parle en termes de disponibilité, de flux, de coûts, et en fait on parle pas du tout des questions de rapports de domination entre les pays, de conditions sociales du travail, toutes ces questions là tout ce qui est pas mathématisable, en fait on les aborde pas ou très très peu. Et en fait je me suis rendu compte que on nous parle beaucoup d'innovation, de créativité et tout ça en école d'ingénieur, mais on nous demande d'innover que dans un certain cadre. Et ce cadre, c'est celui du monde dans lequel on vit, le capitalisme. Et alors le capitalisme, pour le définir en trois mots, pour se débarrasser de la définition, c'est l'idée que certaines personnes puissent détenir les moyens de production, donc que ce ne soit pas les travailleurs qui les détiennent, ou alors on peut le définir d'une autre façon en disant c'est la possibilité pour certains d'accumuler une quantité infinie de ressources. Donc c'est un système politique qui n'est pas du tout le seul, qui n'est pas neutre, mais on nous incite que à construire nos savoirs sur ce cadre-là, quoi. Et c'est vrai que c'est assez dangereux, en fait, de former des futurs dirigeants à ne surtout pas remettre en cause le système dans lequel on est, et de l'occulter complètement et de le montrer comme neutre. Je me rappelle d'un dossier que je devais rendre en économie de l'entreprise, et je devais faire l'analyse économique d'un grand groupe, d'une grande multinationale laitière française, qui commence par un D. Et je savais que cette entreprise, elle avait eu des scandales parce qu'elle payait très peu cher sa matière première, et donc il y a des paysans qui n'arrivaient pas à vivre de leur métier, et du coup que c'était un peu une catastrophe pour les petits paysans. J'ai trouvé aucun endroit dans la grille d'analyse qu'on m'avait donnée où je pouvais mettre cette information. Alors du coup, j'ai mis les forces, les faiblesses de l'entreprise, les menaces, les possibilités d'intégration horizontale, d'intégration verticale, et j'ai pas pu mettre cette information quelque part, parce qu'en fait, les cadres qu'on nous donne définissent énormément les réponses possibles à apporter, et ce qu'on nous apprend pas en école, c'est à questionner la question qu'on nous pose et à questionner le cadre d'analyse qu'on nous donne, quoi. Alors, l'idéologie dominante, c'est un peu comme les normes sociales, c'est quelque chose qui se présente comme naturel,
et qui fait comme si elle n'existait pas, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis idéologie capitaliste naturalisée, c'est qu'elle est qu'on la perçoit pas comme une idéologie. Et en fait, quand tu as tous tes profs qui disent que ce que tu penses politiquement, bah, c'est faux, et ben t'oses pas trop dire tes opinions trop fort dans ta promotion. Et moi, je me suis rendu compte plus tard que j'avais plein d'amis, enfin plein, j'avais des amis autour de moi que je soupçonnais pas d'être d'accord avec moi politiquement, mais juste parce que personne n'ose vraiment élever la voix sur ces questions-là. Et c'est vrai que moi, il y avait tout un tas de mots que j'évitais d'utiliser, des sujets que j'évitais d'aborder, parce que j'avais peur de me retrouver avec une levée de bouclier devant moi et de pas savoir, enfin pas savoir dire mon opinion, quoi. Et du coup, bah, je me suis définie une nouvelle zone. Alors, prononcer le mot capitalisme fait tout de suite de vous un gauchiste, parce que ça veut dire que le système existe, en fait. Le nommer, c'est dire qu'il existe, et donc dire qu'il n'est pas, pas neutre et pas naturel. Et puis bon, il y a tout un tas d'autres choses qu'il fallait faire attention. Je me suis rendu compte, par exemple, que le mot gréviste, c'était pas quelque chose de connoté positivement dans la bouche de tout le monde. C'est vrai que pour moi, on m'a toujours dit la grève, c'est positif, ça veut dire que les gens se bougent et qu'ils ont envie de changer le monde et tout. C'est signe que la vie, enfin que les gens s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux. Mais là, je me suis rendu compte qu'il valait mieux pas s'engager dans ce genre de conversation parce que ça cristallisait des crispations. Voilà. Et ce qui était difficile avec tout ça, c'est que c'était pas explicite, en fait. Là, je vous en parle comme ça, mais j'avais pas formalisé, j'avais pas mis des mots sur tout ce que je vous raconte. Et la nécessité de mettre des mots sur ce qu'on vit, je l'ai perçu assez. Enfin, j'en ai fait l'expérience assez tôt. J'étais à la sieste en maternelle. J'avais 3 ans. Et. J'étais sous ma couverture, comme ça. Et donc, je ferme les yeux et puis. Je mets ma main dans ma culotte et puis je savais pas ce que je faisais, mais j'aimais bien. Tout d'un coup, il y a une deuxième main qui est arrivée, mais c'était pas la mienne. Je savais pas ce que ça voulait dire, mais je savais qu'une chose, c'est que j'aimais pas ça du tout. J'ai fermé les yeux très fort et je me suis dit, j'ai très envie qu'elle s'en aille. Elle a fini par partir. J'avais 3 ans et j'en ai pas parlé à mes parents, j'en ai parlé à personne, en fait, parce que je savais pas que c'était interdit. En fait, il y a des choses qu'on n'aime pas quand on est petit. Moi, j'aime pas le camembert, mais c'est pour ça que c'est interdit, quoi. Si on n'a pas le cadre légal et on sait pas que c'est interdit, bah c'est difficile de se défendre. Et c'est pour ça que je dis que c'est hyper important de formuler et d'avoir les bons mots et le bon cadrage des idées, quoi, pour pouvoir commencer à se défendre. Mais après, ça suffit pas. On a beau avoir les clés de compréhension, il y a encore tout un chemin à faire. Moi, par exemple, ma famille m'a pas mal éduquée sur les questions de sexisme, mais c'est pas pour ça que ça a été facile, notamment quand je me suis confrontée au sexisme le plus décomplexé que j'ai vu de ma vie. J'ai dû attendre d'être dans l'école de l'élite de la nation pour le voir. Alors, je dis pas que j'ai tout vu, hein. C'est celui le plus décomplexé que j'ai vu, c'est pas le pire, mais c'est décomplexé au sens on le dit sans que. Enfin, les gens perçoivent même pas que c'est du sexisme, quoi. C'est, enfin, les gens qui le disent. Et les personnes qui. Donc, aussi décomplexées que je dis, c'était ce qu'on appelait notre formation humaine, donc les militaires. Alors, c'est assez connu que le sexisme dans l'armée, c'est quelque chose d'assez fort, mais là, je l'ai vraiment expérimenté. Par exemple, pendant notre formation militaire initiale, il y avait une femme chef de section parmi les militaires qui avait
réuni les filles d'une section en leur disant « Je vous ai vu, vous êtes baladées en pyjama de la douche à votre chambre. Faut pas faire ça parce que vos chefs militaires, si vous les excitez, c'est pas comme vos copains, ils iront jusqu'au bout. » Alors, donc là, on t'explique que tes chefs de section sont potentiellement des violeurs et qu'en plus, s'ils te violent, ce sera ta faute. Donc, c'est intéressant comme idée de formation humaine, quoi. C'est... Voilà. Et puis en plus, ce qui était assez fou, c'est que, en fait, cette femme, elle faisait que donner ses techniques d'autodéfense, quoi, qu'elle avait acquises pendant son expérience dans l'armée et qu'elle sait que c'est comme ça qu'il faut agir si on veut se préserver, quoi. C'est qu'il y avait peut-être éventuellement du vécu derrière, ou au moins de l'observation de personnes à qui c'était arrivé, quoi. Et alors, je ne vais pas m'éterniser sur l'armée, parce que c'est trop facile, mais il y a eu plein d'histoires d'harcèlement sexuel en stage militaire, de blagues pendant la vie commune, de blagues pendant le sport, des blagues, même pas des blagues, des réflexions pendant les évaluations. Moi, en évaluation en soutenance de stage, on m'a demandé « Mais si les femmes font plus les tâches ménagères, est-ce que c'est pas parce qu'elles y trouvent satisfaction ?» Alors là, tu regardes ton évaluateur qui est censé te mettre une note. Tu dis non. Tu regardes le jury d'à côté en disant est-ce qu'il va m'aider, est-ce qu'il... Non, ils ne m'aident pas. Bon, ok. C'est très délicat quand on est en situation d'évaluation d'envoyer chier quelqu'un qui est en face de nous, quoi, qui est censé nous noter. Et donc voilà. Et pendant notre formation militaire, il y avait aussi un truc intéressant, c'est qu'on nous apprenait des chants militaires. Alors, il y a beaucoup d'écoles où c'est les promotions qui écrivent eux-mêmes leurs chants, ou alors qui se transmettent leurs chants de promotion. Alors nous, on n'a pas ça, mais on a des chants traditionnels de l'armée. Et mon chant de section à moi, c'était un chant de l'armée coloniale. C'est nous, les descendants des régiments d'Afrique, les chasseurs, les spahis, les goumiers, gardiens et défenseurs d'empires magnifiques, sous l'ardent soleil chevauchant sans répit nos fiers coursiers, toujours prêts à servir, à vaincre ou à mourir. Nos cœurs se sont unis pour la patrie, la trompette, au garde à vous sonnera l'étendard, et que fièrement dans le ciel montent nos trois couleurs. Le souffle de la France anime la fanfare et met à chacun un peu d'air du pays au fond du cœur. C'est notre volonté de vaincre ou de lutter, de consacrer nos vies à la patrie. La piste est difficile et toujours nous appelle par les Montpellier, de Taza, de Xarxouk, de Midelt, les Landes de Bournazel vers le Tafilalet, sur l'Exour allié plantera fièrement nos trois couleurs. Ensemble, nous referons gaiement flotter nos étendards et suivrons partout hardiment l'éclat de nos trois couleurs. Ensemble, nous reprendrons demain le chemin du départ et pour le pays seront prêts à lutter sans nulle peur. Soldats toujours devant, toujours la tête haute, nous serons présents sous la pluie, dans le vent, en avant. Donc, une chanson chantée par les troupes coloniales qui parle de mettre nos trois couleurs partout. Et nous, on chante ça gaiement pendant notre formation humaine. Alors la colonisation, je rappelle, c'est des pays qui, sous couvert de racisme, vont occuper et exploiter des territoires avec des populations dessus. Donc politiquement, c'est quelque chose d'assez lourd, quoi. Moi, en tout cas, c'est pas une partie de l'histoire française dont je suis très fière. Donc, voilà. Et ce qui est fou, c'est qu'on nous a jamais expliqué l'histoire de ce chant. Moi, j'ai dû aller voir sur Internet. Alors, ça parlait d'armée française et d'Afrique.
Il y avait moyen que ça sente pas très bon, quoi, mais c'est vrai que bon, je connaissais pas l'histoire du chant, je suis allée la voir après, et c'est là que j'ai appris que c'était l'armée coloniale qui chantait ça, et que, en fait, mes amis qui ont fait leur stage dans les troupes de marine, ils m'ont dit c'est pas du tout la chanson la pire, il y en a plein d'autres, les troupes de marine se revendiquent descendants des troupes coloniales, donc voilà, il y en a d'autres. Et puis, on avait une note, enfin notre formation humaine, elle était soldée par une note de formation humaine qui était attribuée par les militaires. Et c'est une note qui était pas très explicite sur ce qu'elle contenait, mais c'était un peu un mélange de est-ce que on fait des choses dans notre section, dans notre promotion, est-ce qu'on se dévoue pour les autres, est-ce que on va aux amphis de la direction de la formation humaine, voilà, tout un tas de petits trucs comme ça qui nous donnaient une note. Et moi, j'ai une fille de plusieurs promotions après moi qui m'a dit « j'ai eu une mauvaise note parce que j'étais pas assez intégrée dans ma section ». Alors, cette fille... Elle a subi une agression sexuelle pendant le week-end d'intégration, et à partir de ce moment-là, bah, elle l'a dénoncé, et elle s'est pris tout un harcèlement de sa promotion pour lui dire bah, qu'elle était folle, que... Enfin... Elle s'est pris plein d'insultes dans la figure. Elle a essayé de le dénoncer aussi auprès de l'administration, et tout ça, elle s'est pris pas mal de murs dans la figure aussi. Et donc, effectivement, cette fille était mal intégrée dans sa section, quoi. Quand... dans ces conditions-là, effectivement. Et donc, s'il y a le mot docilité qui est apparu derrière moi, c'est que, pour moi, cette note, elle symbolise vraiment la docilité, en fait, de se conformer aux attentes du groupe et de surtout pas faire de vagues, quoi, parce que sinon on a une mauvaise note. Et puis, on a pas que une mauvaise note, on a aussi tout le phénomène de promotion qui s'abat sur nous, quoi. Alors le sexisme et le racisme, on appelle ça des rapports de domination. Alors les rapports de domination, c'est structurellement ancré dans notre société, c'est des choses avec lesquelles on grandit, qui permettent en fait à une partie de la population d'accéder à plus de pouvoir au sens large, au détriment d'une autre partie de la population, et c'est selon des critères dont on ne peut pas s'extraire. Alors typiquement, ça va être le sexisme, le racisme, ou la question... des rapports de classe sociale, et c'est des choses qui structurent complètement nos esprits, nos émotions, nos façons d'agir, même quand on n'en a pas envie. Et quel rapport avec la méritocratie tout ça? Bah, c'est que c'est quelque chose qui va structurer les représentations et des candidats, enfin des étudiants, des élèves, et les représentations des évaluateurs. Et je vais vous citer quelques sources sur ces questions-là. La première, c'est « Fatima, moins bien notée que Marianne » de François Durper et Béatrice Mabilon, mon fils. Alors, le titre est très explicite de ce que ça raconte. C'est, en gros, il y a des expériences qui sont menées où on va donner la même copie d'examen avec des prénoms différents dessus, et puis on va la donner à plusieurs évaluateurs, et on va regarder statistiquement quelles notes ils mettent à ces copies. Et ils se rendent compte que... bah, les prénoms à consonance maghrébine sont globalement moins bien notés que les autres prénoms. Ils vont regarder aussi sur la question des punitions, les conseils de discipline, et ils vont remarquer que les prénoms à consonance maghrébine sont, à bêtise égale, plus punis que les autres, parce que les représentations que les personnes qui punissent se font de pourquoi la bêtise a été faite vont... être différentes suivant l'interprétation qu'ils voient du gamin en face, quoi. Donc tout ça pour dire que ça influe sur les correcteurs, sur les encadrants, mais ça influe aussi sur les élèves eux-mêmes. Alors ça, c'est les travaux de Marie Durubella sur la question de la mixité à l'école. Et alors elle a travaillé sur le fait que bah, si on met des petites filles dans une classe non mixte qu'entre filles, eh ben, elles réussissent mieux que quand elles sont dans une classe mixte, elles ont de meilleurs résultats. Alors ça ne dit pas que demain il faut retourner aux écoles non mixtes, mais ça fait réfléchir sur qu'est-ce qui structure nos résultats scolaires, quoi. Que ce n'est pas seulement la question du travail, quoi. Et notamment, elle cite des expériences qui ont été menées où
Vous mettez des petites filles devant un même test de géométrie et juste vous écrivez au-dessus géométrie ou dessin. Et bon, elles vont mieux réussir quand c'est écrit dessin que quand c'est écrit géométrie. Donc voilà, c'est pour dire que les représentations avec lesquelles on a grandi influent aussi sur nous-mêmes et sur notre capacité à répondre aux examens qu'on nous donne. Pour vous illustrer un petit peu ça, moi quand j'étais allée à la fac, j'avais fait italien première langue au collège et lycée et j'avais envie de continuer l'italien. Et donc j'ai fait des cours à la fac. Et dans un des premiers cours où on a été, la prof nous avait demandé de préparer une présentation de la ville d'où on venait. Et elle me demande de lire la mienne. Et donc je dis « Si toi, t'as 7 kilometri del centro di Parigi, Montreuil. » Et là, elle m'arrête, elle explose de rire. Et elle me dit « Mais vous croyez vraiment que les profs vont gober que c'est vous qui avez écrit ça ?» Alors, j'étais restée sans voix, je ne savais pas quoi répondre, quoi, parce que c'était moi qui l'avais écrit et tout ça. Et puis... Donc elle m'a fait tout un discours sur le fait qu'elle ne me croyait pas. Et puis au bout d'un moment, elle me dit « Bon, bah, finissez quand même. » Et elle me dit « Ah bon, bah, je vois qu'il y a des fautes dans la fin. Je vous crois que c'est vous qui l'avez écrit. » Tout ça pour dire que je ne sais pas si j'avais une tête de fille pas douée en italien. Je ne sais pas ce qu'elle se représentait dans la tête. Mais en tout cas, sa représentation de moi à ce moment-là, c'est que je n'étais pas capable d'écrire ce que j'étais en train d'écrire. Quoi. Enfin, ce que j'étais en train de lire. Et donc, ça influe énormément sur les résultats, finalement. Alors, le sexisme, il n'était pas présent uniquement au niveau de nos encadrants militaires au sein de l'école. On n'a pas besoin de l'armée pour avoir des comportements sexistes. Il y en avait aussi beaucoup dans notre promotion. Je me suis très vite rendu compte en arrivant que j'avais cette étiquette de fille qui était collée sur la figure, notamment une petite histoire où j'étais avec des amis, c'était un peu au début du tronc commun quoi, quand on était arrivé à l'école, et j'étais que avec des mecs de ma section, et là il y en a un qui lâche un énorme râle et tout le monde se met à rigoler et il se retourne vers moi et il fait « Oh mince, il y avait une fille !» Alors j'ai répondu et j'ai dit mais oh non, je suis un bonhomme, je suis comme vous, considérez-moi comme vous, voilà, arrêtez de faire une différence et tout, et du coup ça les a bien fait rire et ils m'ont considéré comme un des leurs, comme un vrai bonhomme et voilà. Mais tout ça pour dire que cette étiquette, elle structure complètement les relations que vous pouvez avoir avec les gens et voilà. Et quand on arrive à Polytechnique, il y a une vérité générale qu'on apprend, qu'on peut entendre sur les femmes ingénieures en général, mais encore plus sur les polytechniciennes, mais les polytechniciennes sont moches. Ce qui est cool, c'est que comme on est dans une école où il n'y a pas beaucoup de femmes et qu'il y a beaucoup d'hommes, et ben on va quand même trouver un mari pour plus tard, pour avoir des enfants. Alors être moche, c'est un peu l'insulte suprême pour une femme, parce qu'on nous apprend depuis toujours qu'il faut être jolie, sourire, et voilà. Donc tout d'un coup, là, c'est vraiment l'insulte suprême. Et alors on pourrait se dire, bah, on est moche, donc du coup on nous laisse tranquille. Mais non, ce serait trop facile. Par exemple, quand je suis arrivée sur le campus, il y avait la promotion d'avant qui avait organisé un site internet où on pouvait... aller et aléatoirement, il y avait deux photos de filles de ma promotion qui sortaient et on pouvait cliquer sur celle qu'on trouvait la plus jolie. Et du coup, aléatoirement, avec tous les votes, et ben à la fin, ça donnait un énorme classement de toutes les filles de la promotion arrivante. Et on publiait que le début du classement, forcément, même si la fin a déjà été publiée parce qu'elle existait aussi, mais quand même. Et alors moi... À ce moment-là, je me dis, ça me plaît pas trop, tout le monde a l'air de trouver ça hyper drôle, en plus c'est la promo d'avant qui nous dit c'est une tradition, c'est... Bon, alors je tâte un peu autour de moi, et puis les gens me font, oh, si, c'est rigolo, bon. Puis il y a un mec qui me dit, de toute façon, les filles qui trouvent ça pas drôle, c'est soit qu'elles sont moches, soit qu'elles sont mal dans leur peau. Ok, alors pas forcément, et puis, et si c'était le cas, et alors, quoi
parce qu'on a envie quand même d'être affiché sur un classement comme ça, voilà. Et en fait, ce qui était très difficile, c'est que ça arrivait au moment où on était censé s'intégrer. C'était au tout début de l'année, c'est la promotion d'avant qui organise ça, et du coup, bah, c'est pas le moment de se faire repérer comme féministe, quoi, parce que sinon, votre vie sociale, elle est un peu finie. Surtout si vous élevez contre les traditions qui existent, quoi. Et ce truc-là, en fait, l'administration était au courant puisque les résultats étaient publiés dans le journal des élèves et que l'école lisait. Donc voilà, il n'y a personne qui a levé le petit doigt. Et si aujourd'hui il n'existe plus, c'est parce que la fille qui a eu une mauvaise note en note de formation humaine, elle a piraté le code et du coup le site internet peut plus être mis en ligne parce que, enfin, je sais pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas c'est plus possible techniquement. Et donc voilà, pour que ce truc là prenne fin, parce que l'administration aujourd'hui dit oh non mais ça n'existe plus tout ça, ça a pris fin pas parce que y a des mesures qui ont été prises, c'est parce qu'il y a une fille qui a pris l'initiative d'aller pirater le système, et c'est une fille qui s'est pris énormément d'insultes dans sa vie de promotion, quoi. Du coup, avec tout ça, sans s'en rendre compte, moi, je sais que j'avais mis en place tout un tas de stratégies pour sortir des rapports de séduction, pour sortir de cette étiquette de fille, et ça suffisait pas toujours, parce que moi, je vous ai dit, j'ai fait de la danse orientale depuis que je suis jeune, enfin depuis que j'ai 13 ans. Et du coup, quand je danse, bah, automatiquement, j'ai mes fesses qui se mettent à bouger. Je fais pas exprès. Et du coup, bah, on m'a dit, enfin j'ai un ami qui m'a dit, bah, Lola, quand tu danses, t'es vraiment une allumeuse. Alors je me suis dit, bon, ok. Fais attention. Alors il y a tout un tas de signes qu'il faut éviter, de signes qui pourraient être interprétés comme de la drague, voilà. faut faire attention à tout ça. Et puis il y a ce mec qui m'avait dit que j'étais vraiment une allumeuse, finalement j'avais sûrement dû lui faire des signes, puisque un soir il avait beaucoup bu et il se met devant ma porte, je voyais à travers son pantalon qu'il était en érection, et il me dit « Lola, je te laisserai pas rentrer si tu me fais pas un bisou ». Alors c'était un ami, donc je me dis « bon, il est pas méchant ». Bon, il avait quand même beaucoup bu, il était plus grand, plus costaud, j'étais pas très rassurée, quoi. Il a finalement fini par me laisser passer, et puis le lendemain, je lui en ai reparlé, et il s'est mis à bouder, et il est parti dans sa chambre. Et j'ai un ami à côté qui m'a dit « Lola, ça se fait vraiment pas de lui dire, parce qu'il est pas fier ». Et sur le coup, je me suis dit « bah c'est vrai ». J'aurais pas dû lui en reparler parce qu'il est pas fier et ça suffit, quoi. On va pas en rajouter une couche. Ce processus de détournement finalement de la responsabilité, il y a eu un autre moment aussi où j'ai un ami à qui j'avais dit non mais qui m'a embrassé quand même, où je m'en suis voulu de pas lui avoir dit non de manière plus explicite, alors que bon, voilà. Normalement c'est pas à moi de m'en vouloir, quoi, dans ce cas-là, mais c'est vrai qu'à cette époque-là je savais pas que ça s'appelait une agression sexuelle, et donc quand on n'a pas les mots pour définir les choses, on peut pas forcément les interpréter comme on devrait, quoi. Et du coup je passe, mais voilà, il y a tout un tas de traditions qui sont sexistes. On a du mal à faire de la communication pour un événement sans mettre une fille en maillot de bain dessus. Enfin bon, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où moi, j'ai dû organiser un événement, c'était la semaine du développement durable, j'étais présidente. Et quand j'ai dû annoncer cet événement, j'ai fait un petit clip de présentation, d'annonce. C'était cadré de là à là sur le décolleté d'une fille. Et puis, elle se déboutonnait le chemisier. Et ça disait « semaine du développement durable ». C'était comme ça qu'on faisait de la communication pour les événements, c'est ça qui ramenait du monde, et puis comme j'étais un vrai bonhomme, je faisais des belles blagues sexistes comme tout le monde, et voilà. Et en fait, on se rend compte qu'on adhère à tout ça, et puis comme c'est la norme, on fait la même chose, quoi. En fait, le fait de se comporter comme un gros bonhomme, comme un vrai bonhomme, c'est... En soi, ça n'a jamais été en,
en contradiction complète avec ce que j'étais, parce que je n'étais pas dans l'hyperféminité non plus, et donc c'était pas très grave finalement de se comporter comme un vrai bonhomme. Mais là où je me suis rendu compte que ça commençait à être problématique, c'est quand j'ai vu que du coup j'avais adopté tout un tas de processus de dévalorisation de ce qui était connoté féminin. Par exemple, moi j'ai toujours beaucoup aimé faire la cuisine, et je me suis rendu compte après avoir été diplômée que notamment il y avait une réunion. Il y avait une réunion d'Ingénieurs sans frontières qui devait être organisée chez moi, et j'avais deux potes qui devaient venir, et c'était pendant l'heure du repas, donc je m'étais dit, bah, c'est cool, j'aime bien faire à manger, donc je vais leur faire à manger, mais il faut pas qu'ils se rendent compte que j'aime bien faire la cuisine, donc je vais faire un truc pas trop compliqué, mais bon quand même, pour que voilà, ça passe, et ils arrivent, et puis... Ils me disent, mais Lola, mais c'est trop bon ce que tu as fait, t'es trop une bonne cuisinière. Et j'étais dégoûtée, quoi, parce que je m'étais fait griller. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des compliments qui me faisaient plus du tout plaisir, quoi. Qu'il y a certaines choses que je trouvais pas valorisantes, et voilà. Et ça va encore plus loin, c'est qu'il y a une fille de la promotion d'avant moi qui, quand elle est partie, a dénoncé un harcèlement qu'elle avait pu subir. Et toutes les promotions se sont mises à l'insulter, à dire qu'elle faisait n'importe quoi. Et puis moi, bah, comme tout le monde, j'ai dit « Oui, je suis quand même d'accord avec ce qu'elle raconte, mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont elle s'y prend, donc c'est une folle hystérique. » Voilà. Et donc ça va jusqu'à la désolidarisation finalement avec les personnes qui défendent les mêmes choses que nous, enfin qui défendent nos intérêts en fait. Et du coup c'est là où la contestation devient très compliquée parce que faire entendre les problèmes c'est s'exposer énormément socialement quoi. Et voilà. et comme je vous dis c'est des choses que j'ai mis énormément de temps à identifier que je formulais pas comme ça. Et la danse m'a aidée beaucoup à me réconcilier avec ce qui était connoté féminin, en tout cas comme une activité connotée féminine et que j'aimais beaucoup. Après, j'ai plutôt fait des danses urbaines. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le kuduro, ça vient d'Angola, ou le dancehall qui vient de Jamaïque. Alors, pour la petite histoire, en dancehall, ça ne se pratique pas dans les opéras, ça se pratique dans la rue. Et donc, c'est des grosses soirées en Jamaïque où il y a quelqu'un qui passe avec une caméra et une lumière au bout et qui filme la soirée et qui retransmet ça sur Internet. Et l'objectif pour les danseurs, c'est de se faire repérer par cette lumière pour pouvoir être filmé et pouvoir être retransmis sur Internet. Et donc, en fait, les pratiques que ça donne, bah, c'est que les gens vont essayer d'inventer des pas hyper différents les uns des autres pour se faire remarquer. Ils vont avoir des costumes hyper différents et tout ça. Et tout ça pour dire que suivant le cadre dans lequel on danse, que ce soit à l'opéra ou dans la rue comme ça avec ce processus-là, et ben ça donne des pratiques de danse qui sont complètement différentes. Comment la structure influe sur les pratiques, quoi. Et moi notamment en dancehall, il y avait des femmes que j'admirais beaucoup, c'était les dancehall queens. Alors c'est des femmes qui reprennent complètement les codes féminins et qui en font une force et qui en font un truc assez incroyable, quoi. Aujourd'hui, quand on discute un peu de tout ça avec d'autres filles diplômées, bah, on se rend compte que finalement, on n'est pas la seule à avoir identifié ces problèmes. Du coup, on a écrit un article avec des copines. On est une dizaine à l'avoir signé sur le témoignage et réflexions sur les sexismes à Polytechnique. On l'a publié dans le journal de l'école. Donc c'était après avoir été diplômée. C'est vrai que ça nous permet de sortir un peu la tête de la promotion. Et c'est un article qui a eu vachement d'écho. En fait, il a été scanné et puis envoyé dans tous les labos, a été envoyé dans des réseaux de profs de prépa. Il y a des journalistes qui l'ont eu aussi. Et ça a fait méga flipper l'école, quoi. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'école d'ingénieur, c'est un label. Si vous dévalorisez l'image de l'école, vous dévalorisez finalement le diplôme qui y est associé.
Et donc, du coup, en termes de communication, ils étaient pas très contents, quoi. Alors, en plus, on dénonçait des choses, mais en plus, on faisait plein de propositions intéressantes, quoi, de choses qui pouvaient être faites. Et le président de l'école nous a répondu en nous disant « Oui, c'est très bien de parler, de dénoncer tout ça, c'est important ce que vous faites, mais la diffusion très large qu'a reçue l'article bien au-delà du périmètre des élèves de l'école et de la direction, à quelques semaines des concours et des choix d'école que feront les candidates, fait courir un risque réel d'une nouvelle dégradation de notre taux de recrutement d'élèves féminines, alors même que des progrès avaient été notés pour la promotion 2016. » Donc, en gros, c'est « Oui, c'est intéressant ce que vous dites, mais le dites pas trop fort, surtout. » Alors, ce qu'il n'avait pas compris, c'est que accueillir plus de femmes dans l'école, si c'est pour mal les accueillir, ça ne nous intéresse pas, quoi. Il y a d'autres choses, d'abord, à se préoccuper. Enfin, bon, il avait fait un effort, c'est écrit en écriture inclusive et tout, je pense que c'est historique. Et ce que nous a permis tout ça, alors ça va pas, enfin clairement la présidence, la direction, ils donnent du crédit à ces actions uniquement parce que médiatiquement ils sont un peu obligés de le faire. Voilà, il n'y a pas eu des budgets alloués pour traiter ces questions-là, mais par contre on a réussi à repérer en interne quelques alliés qui sont motivés pour faire changer les choses en interne, notamment la responsable des programmes d'égalité des chances. Il y a un militaire aussi qui est venu nous voir et qui a décidé d'agir pour changer les choses au sein de l'armée, enfin au sein de Polytechnique en tout cas, de la formation humaine. Et bon alors, quand je lui ai dit « Oui, vous vous rappelez les champs de section qui sont... il y en a des colonialistes, il y en a des sexistes », il m'a dit « Ah oui, mais ça, c'est la tradition, c'est dans l'armée que tout, c'est comme ça partout, on peut pas trop supprimer ça. » Alors que bon, pour moi, abattre le sexisme à Polytechnique, c'est un gros enjeu qui va mettre du temps. Autant supprimer des champs, c'est quelque chose d'assez simple à faire, mais bon, visiblement, c'est pas pour demain, quoi. La question des représentations, il n'y avait pas que en termes de sexisme que je la voyais, c'était aussi dans la manière dont les gens percevaient le milieu social d'où je venais. Alors je m'explique, un jour j'ai deux amis de l'école qui ont organisé leur anniversaire et le thème de la soirée c'était « Comtesse ou Wesh Wesh ». Et donc j'arrive à la soirée, moi je m'étais déguisée, j'avais mis ma tenue de danse, parce que je faisais des danses urbaines, donc je trouvais que, enfin voilà, j'étais bien avec une belle casquette, un beau jogging et tout ça. Et j'arrive, et donc les comtesses étaient trop belles, trop bien habillées et tout. Et par contre, les wesh wesh, ils étaient vieux jogging dégueulasse, vieux t-shirt de pub dégueu et casquette toute pourrie, quoi. Alors, je sais pas, enfin, il n'y a pas une vraie définition de ce que c'est qu'un wesh wesh, mais... Mais en tout cas, moi, dans la représentation que je m'en faisais de par mon expérience au collège et au lycée, c'est des gens où, ouais, ils mettent des joggings, mais c'est des beaux joggings, et si tu fais une tache sur leur jogging blanc, ils sont pas contents, quoi. C'est, voilà, pour dire que c'est un autre style, mais c'est un style qui a ses propres codes et qui est pas du tout le style tout dégueu que les gens se représentaient, quoi. Et puis voilà, c'est des discussions où un ami va placer comme ça l'air de rien. « Ah, moi, mes parents, ils gagnent chacun 3000 euros par mois, ils sont dans la classe moyenne. » Alors non, tes parents font chacun partie des 10% des Français les plus riches, mais bon, si toi, t'es dans la classe moyenne, moi, je sais pas où je suis, mais... ouais, c'est assez particulier, quoi. Et quand je disais d'où je venais, que je venais de Seine-Saint-Denis, que je venais de la fac, on me disait « Ah, c'est un beau parcours. » Et c'est bizarre, parce qu'au début, on se dit « Mais c'est un compliment, et tout. »
Et en fait, c'est un compliment que j'arrivais pas à accepter parce que finalement, ça sous-entendait que c'était un peu pourri de là où je venais, que j'avais eu une enfance difficile, alors que moi, j'avais pas du tout eu une enfance difficile, que j'en avais pas chié plus que ça pour arriver jusque-là, quoi. Et donc, j'avais l'impression qu'on allait me démasquer à un moment, qu'on allait se rendre compte que non, en fait, j'étais pas aussi méritante que ce qu'ils disaient et tout ça. Et tout ça pour dire que j'avais jamais eu autant de moyens dans ma vie. J'étais payée pour faire mes études, les entreprises payaient pour qu'on s'éclate. Enfin, voilà, j'avais plein de moyens à ma disposition. Et c'est le moment où je me suis sentie le plus pauvre dans ma vie. Je m'étais jamais sentie pauvre avant, et c'est à ce moment-là que, en comparaison avec les autres, j'ai commencé à me sentir pauvre. Et en fait, ça ne se limitait pas à moi. En fait, on me disait à moi qu'on me faisait sentir que j'étais pauvre, mais en plus, on allait le dire à mes parents aussi. Alors, mes parents, ils recevaient des courriers qui ressemblent à ça. C'est un appel à dons pour soutenir la fondation de l'école polytechnique. Et alors, je ne sais pas si vous voyez par là. Une proposition. Est-ce que je donne 100 euros, 200 euros, 500 euros ou montant libre? Alors, je ne sais pas si vous osez mettre 10 balles là, dans cette case-là. Et puis là, ça c'est le nouveau, c'est 300 euros, 600 euros, 1000 euros ou montant libre. Et puis, on peut cocher la case « Je souhaite devenir grand donateur », entre parenthèses, 50 000 euros minimum sur 5 ans. Et puis, défiscalisation, impôt de solidarité sur la fortune. Les parents qui reçoivent ça, ils se disent « Mais est-ce qu'on est les parents de la... Est-ce que c'est à nous que ça s'adresse, quoi? Et puis, ils recevaient aussi des invitations au bal de l'école. Alors, le bal de l'école, c'est toute une tradition. C'est à l'Opéra Garnier. C'est robe longue obligatoire pour les femmes et tenue correcte exigée, quoi. Et premier prix pour assister à la soirée avec spectacle, dîner et bal, 230 euros. Et ça monte jusqu'à 825 euros. Il y a toute une stratification sociale en fonction des tarifs et ensuite de là où on est, où on est placé dans... quand on mange. On n'est pas au même endroit suivant combien on a payé. Je ne sais pas si dans les assiettes il y a la même chose, je n'ai pas été vérifiée. Mais tout ça pour dire que voilà, on expliquait à mes parents qu'ils étaient pauvres aussi, enfin qu'ils n'étaient pas dans la bonne catégorie sociale par rapport à ce que leur fille faisait, quoi. Et c'est vrai qu'à la remise des diplômes, on m'a demandé de remplir un questionnaire pour dire mes parents vont venir et on me demande des précisions sur mes parents, on me demande est-ce qu'ils détiennent un rang protocolaire, entre parenthèses, ministre, parlementaire, élu, préfet, officier général, PDG d'entreprise importante. Alors j'ai appris en fait qu'il y avait des buffets VIP pour les parents VIP qu'on reçoit pas. Voilà, typiquement, il y a plusieurs promos après moi. Il y avait le fils de Bernard Arnault. Ben on va pas recevoir Bernard Arnault de la même manière qu'on reçoit mon père. Enfin, c'est évident. Voilà, on n'est pas parents de la même façon suivant notre origine sociale, quoi. Et moi, ce que je me... Autant, moi, j'avais signé pour ça, je savais où je mettais les pieds, autant, j'ai envie de dire, mais laissez mes parents tranquilles, quoi. Enfin, je sais pas, à la fac envoyait jamais de courrier à mes parents, ils s'adressaient à moi, j'étais majeure, j'étais autonome, voilà. Je comprenais pas pourquoi tout d'un coup, l'école, après mes 20 ans, continuait à envoyer des courriers à mes parents. Alors, j'ai compris que ces courriers, ils commençaient à me les envoyer à moi quand j'ai été diplômée, alors c'est là qu'ils considèrent qu'on est majeure et indépendante. Ouais. Et donc, comme je vous ai dit, l'estime que j'avais pour moi, elle a commencé un petit peu à chuter comme ça, progressivement, sur plein de points, et notamment sur le plan scolaire, parce que je vous ai dit, je venais d'une filière universitaire, donc je venais de la fac. Alors, qu'est-ce que c'est la filière universitaire? C'est 10 personnes, enfin, mon année c'était 10 personnes qui sont sélectionnées suivant certaines épreuves qui doivent être issues de licences de plusieurs... Il y a plusieurs possibilités. Et il y a d'autres
petites filières comme ça de recrutement qui recrutent peu de personnes. C'est par exemple, moi, ceux avec qui j'ai beaucoup discuté, c'était la filière TSI. Alors TSI, c'est technique et sciences de l'ingénieur. C'est des gens qui ont fait une classe préparatoire, mais qui est une classe prépa technique. Et c'est des gens issus de bac technique, donc qui n'ont pas un bac général. Donc socialement aussi, ils ne viennent pas du même milieu. Et voilà, donc eux, il y en avait 5 dans ma promotion. Aujourd'hui, il y en a un peu moins, alors que les universitaires ont plutôt tendance à... On est plutôt une vingtaine, je crois, aujourd'hui. Et moi, je me suis très vite demandé, ces petites filières de concours, pourquoi on est là? Est-ce que c'est intéressant qu'on soit là? Ou est-ce qu'on est une filière, un quota social? Je ne sais pas. Et donc, j'ai posé la question au directeur du concours, qui m'a dit... très sincèrement, hein, je pense qu'il est vraiment sincère quand il dit « Mais vous avez des parcours hyper intéressants, vous avez des compétences intéressantes, c'est vraiment chouette que vous soyez là et tout. » Et j'ai découvert en fait après que on avait été créé, enfin les filières TSI et universitaires avaient été créées suite au rapport Attali de 97 qui montrait, enfin qui pointait le manque de diversité sociale à l'école et qui préconisait l'ouverture de filières sociales comme les TSI et universitaires. Et donc, on est bien une filière sociale qui n'est pas assumée comme telle, mais on en est bien une. C'est vrai que ce que disait le directeur du concours, qu'on avait des compétences hyper intéressantes et tout ça, je ne trouvais aucun endroit où je pouvais valoriser ces compétences dans les évaluations, en tout cas. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on a ouvert des filières pour un peu plus de diversité dans l'école, mais on ne s'est jamais posé la question de est-ce que nos évaluations sont faites pour ces gens-là? Est-ce qu'elles ne favorisent pas d'autres personnes dans la promotion? Est-ce que finalement, tout le monde arrive à égalité ou pas face aux évaluations? Et je me suis rendu compte que j'avais beau travailler les cours à fond, que je n'avais pas de problème pour les comprendre, que je me plantais quand même aux examens. Parce qu'il y avait des choses qui me manquaient, qui n'étaient pas dans les cours, qui me manquaient pour réussir. Par exemple, mon premier examen de maths, j'y vais avec un ami à moi qui me dit « Oh Lola, moi j'ai rien compris ». Alors lui, il avait fait classe prépa. Il me dit « J'ai rien compris, je vais me planter ». Alors je lui dis « Ouais, je comprends, moi c'est des choses que j'ai déjà vues à la fac, mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi j'ai compris, mais je comprends que ça puisse être difficile ». Et il est sorti, il a dit « j'ai rien compris, mais j'ai fait les calculs ». Et il a eu A et j'ai eu C. Parce qu'en fait, nous, à la fac, on nous apprend... Enfin, en tout cas, la filière que j'ai faite avec les profs que j'ai eus, on nous apprenait... On n'était pas du tout évalués sur la question du calcul, on nous apprenait pas... Enfin, on faisait un peu de calcul, mais c'était pas du tout quelque chose qui était très valorisé dans les évaluations. Il y avait même des profs pour qui le calcul, c'était pas des maths, quoi. C'était comme les ordinateurs savent faire, c'est pas très intéressant et tout ça. Donc, on n'était pas formés à être des bêtes de calcul, alors que c'est beaucoup plus le cas en classe préparatoire. Je me suis rendu compte qu'il y a plein d'examens où finalement, on mettait des questions faciles de calcul pour que les gens réussissent, alors que c'était des questions faciles que pour certaines personnes et pas pour d'autres, quoi. Pour une majorité, mais pas pour tout le monde. Alors si, parce que tout le monde n'est pas ingénieur dans la salle, s'il y en a que ça ne parle pas, cette question de calcul, imaginez-vous, vous avez un examen de danse orientale, on va dire. Vous avez, à la fac, on va faire du charqui. Le charqui, c'est une danse orientale qui se danse sur la pointe des pieds, qui est beaucoup dans les bras, beaucoup dans le haut du corps et beaucoup dans les ondulations. Et puis on va dire qu'en classe préparatoire, on apprend la danse orientale aussi, mais là on apprend plus du tabla solo. Alors le tabla solo, c'est quelque chose de très ancré dans le sol, qui se passe beaucoup au niveau du bassin, c'est des percussions, des rythmes très saccadés, et qui se passe très peu dans le haut du corps. Et alors ces deux filières qui apprennent les deux la danse orientale, on va les mettre à un même examen. Et cet examen qu'on va appeler danse orientale, on va y mettre du charqui. Et ceux qui viennent de la filière où on fait plutôt du tabla solo vont forcément être désavantagés par rapport aux autres, même s'ils vont s'en sortir quand même, parce que c'est des choses qu'ils ont un peu vues, mais que c'est pas du tout la même façon de pratiquer que ce qu'eux, ils faisaient. Et du coup, ils vont se dire peut-être que je suis nulle finalement en danse orientale, puisque j'arrive pas à l'examen et qu'il y en a d'autres qui y arrivent. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Moi, je me suis dit...
je me suis dit, bah, j'arrive pas à les examens de maths, bah, c'est peut-être que ce qu'on dit, que la fac c'est tout pourri et que les classes prépa c'est vachement mieux, et ben peut-être que c'est vrai et que juste j'ai pas le niveau, quoi. Juste je me plante parce que j'y arrive pas, enfin parce que je suis nulle en maths, quoi. Et j'ai découvert après que certains polytechniciens qui faisaient leur dernière année à Orsay en maths avaient des difficultés face aux examens parce que inversement, c'était pas du tout le même type d'examen qu'on leur proposait à la fac que qu'on leur proposait à Polytechnique. Mais ça, c'est des choses que j'avais pas identifiées comme ça. Et voilà, en fait, on a ouvert des filières de concours sans se demander si les évaluations elles favorisaient ou non une filière. Et quand j'en ai parlé plus tard au prof de maths du tronc commun, il m'a dit, vous savez, moi je m'arrange pour qu'il y ait 90% des personnes de la promotion qui valident. Et quand j'ai dit, oui, et les 10% qui restent, c'est qui? Il m'a fait, oh. Comme c'est une majorité qui réussit, finalement, on ne regarde pas le détail, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, en fait, on était la première année où ils en prenaient 10 des universitaires. Avant, ils en prenaient moins. Et moi, je me disais, mais en fait, si on se plante, eh ben, peut-être que l'année prochaine, ils en prendront moins. Peut-être que ça va avoir un impact. Peut-être qu'on nous regarde et que ça va avoir un impact sur le recrutement des filières universitaires. Et du coup, ça m'angoissait complètement, cette idée de représenter la filière comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que mon année, moi, j'étais dernière du classement, mais le premier du classement était aussi un universitaire. Et je me suis dit, cool, la filière est sauve, c'est... Il y a le premier est universitaire, donc c'est pas la filière qui est nulle, c'est moi qui suis nulle. Ouf. Et ce qui est fou, c'est que cet étudiant qui est arrivé premier au concours, il sert encore aujourd'hui de justification pour surtout pas se remettre en question, parce que il y a une universitaire de, je crois que c'est deux promos après moi, qui m'a dit qu'elle était allée voir une prof de maths pour lui dire qu'elle avait des difficultés, et on lui a répondu. Mais vous savez, il y a 2 ans, il y avait un universitaire qui était premier du classement, donc si vous travaillez plus, vous pouvez y arriver. Super comme conseil pédagogique. Travaillez plus, merci, j'y avais pas pensé. Je suis à chercher des conseils, ouais. Voilà. Et donc moi, je comprenais pas ce qui bloquait, j'étais dans tout un tas d'incompréhensions, je suis entrée dans un engrenage je sabotais moi-même mes examens, où j'arrivais dans une situation tellement angoissante à me dire que je vais pas y arriver, du coup j'arrivais même plus à lire les consignes, je me plantais avant même d'avoir commencé, quoi. Et à force de rater beaucoup d'examens comme ça, bah, j'ai passé beaucoup de rattrapages. Et les rattrapages, bah, c'est à l'oral. Alors moi et l'oral, voilà, c'est pas quelque chose de tout à fait évident. Alors même si on dit, mais si, l'oral c'est vachement bien parce que ça permet d'individualiser les problèmes et tout ça, moi c'était pas du tout bénéfique. Et à force de passer beaucoup de rattrapages et de pas tous les réussir, bah, j'ai passé ce qu'on appelle le jury de passage. Alors le jury, c'est une instance décisionnaire de l'école qui est censée décider de est-ce qu'on passe dans l'année suivante malgré nos insuffisances scolaires. Et moi, je savais que j'avais pas envie de redoubler parce que si je refaisais le contenu des cours que j'avais déjà compris et que le problème était ailleurs, bah, ça me servait à rien de refaire les mêmes cours, ça m'aiderait pas plus. Et j'ai un ami de TSI qui a redoublé et qui m'a dit effectivement, refaire les mêmes cours, ça m'a pas servi scolairement, mon redoublement m'a pas servi scolairement. On m'a dit, le jury, c'est vachement bien pédagogiquement, on va t'aider à comprendre tes difficultés et puis t'aider à trouver des solutions pour l'année prochaine et tout ça. Et alors moi, je me disais, bah, peut-être que le jury, il faut y aller, il faut dire tous nos problèmes et puis on va nous aider et tout ça. Et heureusement, il y a des alliés en interne qui m'ont dit, il ne faut surtout pas faire ça et qui m'ont expliqué les règles implicites du passage devant le jury. Et j'ai compris qu'en fait, c'était un exercice où on nous demandait de raconter une jolie histoire en situation de stress maximal. Alors, je m'explique. En fait, on nous
Si vous arrivez et que vous dites toutes vos difficultés et que vous n'y arrivez pas et que vous pensez que l'année prochaine ça va être trop dur, bah vous êtes sûr de redoubler en fait. Parce que on ne vous demande pas d'être honnête dans cette situation, on vous demande d'expliquer, d'avoir un plan d'action qui explique pourquoi l'année prochaine vous allez vous en sortir, vous allez réussir à valider, plus valider les matières que vous n'aviez pas validées l'année d'avant. Donc c'est un plan d'action qui doit être rigoureux et qui doit convaincre en fait le jury que vous allez y arriver l'année d'après. Et puis en situation de stress maximal, parce que bon, déjà vous avez peur de redoubler, vous arrivez dans la salle la plus flippante de l'école où il y a de la moquette rouge par terre, où il y a de la dorure sur les chaises, il y a un tableau historique de l'école accroché, vous arrivez sur une grande table ovale où vous asseyez au milieu, en face de vous il y a tous les gens les plus flippants de l'école, chef de corps, président, directeur des études, enfin voilà, tous les gens flippants ils sont là, puis ils te regardent et puis ils te racontent ta jolie histoire, et puis si jamais t'étais bien dans tes fringues, bah non, on te met en uniforme. Voilà. Et puis il y a un conseil qu'on m'a donné aussi, c'est surtout pendant le jury, il ne faut pas pleurer. Ça c'est très important, parce que bon, déjà pleurer c'est féminin, hein. Enfin, c'est pas pour ça que je ne devais pas pleurer, mais bon, pleurer c'est montrer qu'on éprouve des sentiments. Et l'ingénieur, il sait pas gérer ce genre de choses. Bon, lui, ça veut dire que t'es instable et que tu vas pas y arriver et que t'es pas sûr de toi, quoi. Et alors, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression, mais souvent, les ingénieurs disent « Oui, le modèle marchait parfaitement et tout ça, mais il y a ce putain de facteur humain qui est rentré en compte et du coup, ça a tout fait foirer, quoi. » Et ouais, ce putain de facteur humain, bah, on sait pas le gérer, donc on fait comme s'il existait pas et surtout, il faut pas le voir, quoi. Donc, bah, j'ai pas pleuré, j'ai raconté ma jolie histoire et j'ai réussi à passer le jury deux fois, deux années de suite. J'ai réussi à ne pas redoubler. Et alors, donc, on m'avait dit que pédagogiquement, c'était hyper intéressant, le jury, tout ça. Donc, quel conseil on m'a donné une fois que j'avais raconté ma jolie histoire? Bah, on m'a dit, il faut travailler plus, mademoiselle. Merci. Alors pour travailler plus, on va vous aider à trouver plus de temps pour travailler. Alors il y a eu deux possibilités qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, bah écoutez, vous faites de l'italien et de l'anglais, l'italien ça se passe bien, l'anglais ça se passe mal, bah vous allez arrêter l'italien et faire deux fois plus d'anglais. Alors l'italien c'était la seule matière où ça se passait bien, quoi, et donc on retire tout ce que tu sais bien faire, et puis surtout on fait faire que ce qui te dévalorise, quoi, et voilà, les sentiments, la psychologie, les ingénieurs, ils savent pas faire, donc on fait comme si ça n'existait pas, on est une machine, et puis bon, voilà, il nous faut plus de temps pour travailler, ben, on fait de l'espace dans notre organisation. Il y a un autre conseil qu'on m'a donné, c'est, on m'a dit, bah, t'es très investi dans ta vie de promotion, bah, t'as qu'à arrêter les associations, et comme ça, tu passeras plus de temps à travailler. Alors... moi, je m'étais fait chier à m'intégrer. On m'avait dit c'est important de s'intégrer et tout ça, d'être dans sa promotion. Alors, j'avais suivi les conseils et tout. Et puis, tout d'un coup, on me dit quelque chose de contraire, quoi. Et puis, en plus, bah, voilà, c'était comme scolairement, ça se passait pas bien. Heureusement que j'étais bien dans ma promotion parce que, du coup, c'est ce qui me soutenait aussi. C'est ce qui faisait que je me sentais un peu utile et que je me sentais un peu valorisée quelque part, quoi. Et donc, heureusement que je n'ai pas suivi leur conseil d'arrêter tout ça, quoi, parce que sinon, ça aurait été catastrophique. En fait, moi, il y a un temps dans ma journée quelque chose qui me prenait beaucoup de temps, que j'aurais pu utiliser pour travailler, mais où j'arrivais pas à l'utiliser pour travailler, c'est que je faisais des crises de boulimie. Alors, ça a commencé quand je suis arrivée sur le campus, et ça s'est terminé, bon, avec une thérapie quand même en fin de diplôme. Et en fait, qu'est-ce que c'est une crise de boulimie? Bah, c'est une angoisse qui monte, qui vous prend à la gorge comme ça, et puis... là, comme je savais que j'étais boulimique, j'avais rien à manger chez moi. Et du coup, quand il y a la crise qui monte comme ça, il faut d'abord aller acheter à manger. Comme on est sur des campus hyper isolés, bah, il faut d'abord marcher 30 minutes pour arriver à la première épicerie. Là, on arrive dans le magasin, bah, ça prend du temps parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va nous faire du bien, qu'est-ce qui va nous calmer. Alors,
Alors, on prend du temps pour essayer de choisir, et puis on fait ses courses, on remarche 30 minutes, donc là, ça a déjà pris plus d'une heure. On fait la crise, et puis on se fait vomir à la fin. Et là, enfin, on est apaisé, le calme revient. Et ouais, ça prend du temps, en fait, d'être malade. Et ça, en plus, donc ça arrivait une à deux fois par jour pendant 3 ans. Et puis ça coûte cher aussi, parce que c'est une dizaine d'euros une crise, donc multiplier ça, ça revient cher. Et en plus, j'en ai parlé à personne, parce que pour moi c'était hyper dévalorisant, parce qu'on nous explique dans la société que ceux qui mangent trop, c'est des feignants, qui n'ont pas de volonté et tout ça, et du coup j'avais honte de ce que je faisais. Et puis en plus, tous les... donc je détestais mon corps et au début j'avais maigri un petit peu et en fait très vite mon corps il a vu que je lui donnais plus à manger, il s'est mis en mode autodéfense, en mode je suis prêt au combat, je vais pas lâcher un pet de gras, je vais rentrer en situation de survie pour me défendre face à ce qu'elle me fait subir quoi. Et donc j'ai arrêté de perdre du poids. Et du coup, j'allais de plus en plus loin dans les troubles du comportement alimentaire. Je m'autorisais de moins en moins à manger des choses, enfin, en tout cas, à les garder en moi, quoi. Et en fait, à la fin de chaque crise, j'étais apaisée et j'étais persuadée à la fin de chaque crise que c'était la dernière, que le lendemain, ça irait mieux, que voilà, j'étais reboostée, que j'avais la volonté de m'en sortir. Et tout ça pendant 3 ans, tous les jours. Et pour vous dire qu'elle est très dangereuse, cette idéologie de « quand on veut, on peut », c'est que j'étais persuadée qu'avec la volonté, j'allais me sortir d'une maladie, alors que c'est pas comme ça qu'on guérit d'une maladie, quoi, c'est pas ça. Et j'ai appris beaucoup plus tard qu'il y avait un taux de troubles du comportement alimentaire chez les filles de Polytechnique beaucoup plus élevé que dans la moyenne nationale. Alors c'est un chiffre qui vient des psychologues de l'école, et puis moi quand j'ai commencé à en parler autour de moi, je me suis rendu compte que si je compte le nombre de filles dans ma promotion que je connais, dont je sais qu'elles font des troubles du comportement alimentaire, on est déjà au-dessus du taux national, alors que je les connais pas toutes, quoi. Enfin, je connais pas, en tout cas pas cette partie-là de leur vie, quoi. Donc pour dire, les psychologues de l'école sont au courant, mais il n'y a rien qui est fait, aucune sensibilisation, aucune prévention. Alors les troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est difficile à expliquer comme ça, mais en gros, il y a un lien entre violences sexuelles subies et les troubles du comportement alimentaire. Il y a aussi un lien très fort à la pression scolaire. Notamment, les troubles du comportement alimentaire, c'est beaucoup une question de contrôle et de lâcher prise. C'est très lié, du coup, à la pression scolaire et l'élitisme et le système de grandes écoles et de classes préparatoires favorisent énormément ce type de comportement. Donc, pour dire que c'est quand même assez structurel, mais moi, je prenais ça comme quelque chose de très personnel et qui m'arrivait qu'à moi. Et puis, j'ai appris que c'était une maladie de bourgeoise. Façon de parler, c'est... contrairement à beaucoup de maladies qui sont en taux plus élevés dans les classes populaires, il se trouve que les troubles du comportement alimentaire sont légèrement plus hauts dans les classes supérieures. Enfin, voilà, pour la petite anecdote. Du coup, ouais, j'arrive avec tout ça à l'école et j'avais honte, en fait, de déprimer juste au moment où tout allait bien pour moi. Et puis j'avais peur aussi qu'on me dise, si je parle, qu'on me dise « tu justifies ton échec, finalement, tu t'acceptes pas d'avoir échoué. » Donc tout ça, c'est une façon de te justifier et de te donner des excuses. Alors que pourtant, quand après l'école, on a commencé à en discuter avec des universitaires et des personnes de TSI, et que pareil, on a rédigé une lettre qu'on a envoyée à toutes les personnes du jury, toutes les personnes importantes de l'école, où on a fait des propositions et des remarques sur l'organisation de nos filières, qui correspondent un peu à ce que je vous ai raconté. Pour écrire ça, on a envoyé un questionnaire à tous les universitaires et TSI depuis la création des filières. Et donc, on a eu plein de réponses de personnes qui nous disaient qu'elles se retrouvaient dans ce qu'on racontait, et aussi quelques personnes qui nous ont dit
qui nous ont dit non, mais qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas dévaloriser nos filières, il faut travailler plus, arrêter de se plaindre, et puis, voilà, montrer qu'on est capable et travailler deux fois plus. Alors pour moi, ces personnes, elles montraient complètement à quel point on avait raison, quoique finalement, dénoncer les problèmes, c'est hyper compliqué parce qu'on a l'impression qu'on dévalorise nos filières et que du coup, on va avoir un impact sur nos filières. Du coup, ça fait que bah, on se tait et qu'on n'en parle pas. Alors, j'ai pas beaucoup d'espoir suite au rendez-vous qu'on a eu suite à cette aide, parce que ça fait beaucoup moins de... Ça n'a pas eu d'impact médiatique comme l'autre article sur le sexisme. La réponse que je vous ai lue du président, elle était aussi valable pour les questions de petites filières. Donc pareil, il nous a dit, faut pas trop en parler, faut pas en parler trop fort. Donc je sais pas trop ce que ça va donner ce rendez-vous, mais bon, peut-être qu'il y aura des améliorations, on verra. Si, un truc drôle. Pendant la réunion qu'on a eue avec tous les gens importants de l'école, le président, il nous a dit. Oui, enfin bon, il faut pas non plus. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il faut avoir un petit peu d'humilité et pas espérer que vous allez avoir la médaille Fields. La médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Et donc, dans une école où on est biberonné à l'élitisme, à l'excellence, le président était en train de nous avouer que tous ces discours ne sont pas adressés à nous, qui ne sommes pas des polytechniciens comme les autres, comme on voudrait nous le faire croire depuis le début, quoi. Donc voilà, c'était dit de manière assumée, enfin même sans réflexion. Bon alors, qu'est-ce que fait Polytechnique en matière d'égalité des chances ? Donc je vous ai dit, ils agissent au niveau de l'autocensure sur les programmes, avec des programmes d'égalité des chances. Les programmes d'égalité des chances, c'est un peu une hypocrisie totale, parce qu'on lutte contre l'autocensure, mais on va dans des lycées de classe populaire et puis on leur dit ne vous auto-censurez pas, venez à Polytechnique ou venez dans des grandes écoles. Mais on va jamais, enfin des personnes de CAP vont jamais voir des grands lycées parisiens pour leur dire ne vous auto-censurez pas, allez faire des CAP. Il y a bien une échelle de l'élitisme qui est présente dans ces programmes. Ce qui est assez dingue, c'est que finalement, avec tout ce que je vous ai raconté, finalement, l'autocensure, c'est ce qui se passe avant l'école. Donc c'est tout ce en quoi l'école n'est pas responsable. Donc finalement, les seuls programmes d'égalité des chances qu'ils mettent en place, c'est pour lutter contre des choses qui ne concernent, enfin que l'école ne, enfin, dont l'école n'est pas responsable et ne se regarde jamais sur ce qui se passe en interne, quoi. Et il y avait un article du Monde qui est sorti qui parlait de la mixité en école d'ingénieurs. Et donc, il y avait une petite phrase du directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école polytechnique, Franck Paccard, et qui dit « On a le sentiment que tout se joue très tôt. On se rend compte qu'on a déjà perdu beaucoup de filles dans le secondaire, voire même au collège. Pour y remédier, nous essayons de travailler en amont dans les prépas pour briser l'autocensure et encourager les jeunes filles à se présenter au concours. » Alors oui, je suis d'accord avec ce qu'il raconte, mais quand on voit tout ce qui se passe en interne, c'est quand même assez fou de se focaliser que sur la question de l'autocensure. Alors, c'est génial parce que ça donne une posture de grand sauveur, en fait, parce qu'on va s'occuper des problèmes dont on n'est pas responsable, voilà, mais on oublie d'expliquer aux gens qu'on n'est pas du tout parfait en interne, quoi. Et en fait, ces programmes d'égalité des chances, ils ont quand même une certaine fonction, c'est qu'ils permettent à quelques personnes de passer au travers des mailles du filet et à quelques personnes de réussir. Et ça permet d'avoir des exemples de réussite à montrer, à mettre en valeur pour montrer que le système méritocratique fonctionne. Alors ça, c'est un phénomène qu'on appelle le tokenisme. Saïd Bouamama, il en parle bien dans son bouquin qui s'appelle « Les discriminations racistes, une arme de division massive ». Il parle pas mal de la méritocratie, c'est hyper intéressant. Donc le tokenisme, ça vient du mot token en anglais, qui veut dire jeton, et donc c'est l'idée de placer des jetons à certains endroits pour justifier que le système fonctionne bien. Et donc ce qu'il dit, c'est que l'ouverture, même marginale, du groupe majoritaire ou du groupe dominant est avancée comme preuve d'absence de déterminisme et de discrimination,
Le fait qu'une seule personne ait franchi les frontières entre groupes permet de poser l'effort individuel et le mérite comme grille explicative. Et donc c'est exactement ça quand vous avez des débats sur la méritocratie, souvent vous avez quelqu'un qui va vous dire « Oui, mais je connais quelqu'un qui... sa mère, elle était au SMIC, elle avait 5 enfants, elle était toute seule et il a quand même réussi à faire une grande école. » Ouais, bah, ça fait pas une statistique, quoi. C'est une personne qui est très isolée et il n'y en a pas beaucoup, des gens comme ça. Et Saïd Bouamama, il explique notamment à quel point la méritocratie, ça divise les luttes parce que en fait, on met une espèce de carotte à la réussite, une carotte méritocratique. Et donc, du coup, comme on espère, finalement, on n'a pas trop intérêt à râler contre le système. Enfin, moi, j'avais une syndicaliste qui était venue me voir à la fin de ma conf et qui m'avait dit « Les primes au mérite en entreprise, ça tue complètement le syndicalisme parce que, du coup, les gens n'osent plus dire les problèmes parce qu'ils se disent « Si je me plains, j'aurai pas ma prime, quoi. » Et donc, c'est vraiment des primes à la docilité, au fait qu'il faut se taire. Et ces programmes d'égalité des chances, c'est vrai que si on y regarde de plus près, par exemple, si on regarde la filière ZEP à Sciences Po, il y a eu un article du Monde il n'y a pas très très longtemps sur cette filière-là. Donc Sciences Po, ils assument complètement le côté filière sociale, ils recrutent un certain nombre de personnes en filière ZEP. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que parmi ces élèves sélectionnés en filière ZEP, il y a 40% d'enfants de cadre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on ne remet pas en question... le système qui crée de l'homogénéisation, on finit avec nos systèmes de sélection par sélectionner les plus favorisés des défavorisés, en fait. Voilà. Et puis en plus, du coup, il y a les enfants de cadre, ils vont faire des stratégies où ils vont se dire, du coup, je vais rester dans mon lycée de ZEP parce que j'ai plus de chances de rentrer à Sciences Po. Enfin bon, du coup, ça donne un truc complètement absurde. Voilà. Et le parcours pour comprendre tout ça... Il est passé notamment par mon choix de quatrième année. Alors, j'ai découvert la sociologie grâce à Polytechnique. Pour le coup, il y a un cours que j'ai vachement aimé dans cette école. Et en fait, si je me suis retrouvée à faire de la sociologie, c'est que je devais choisir une option et j'ai un ami qui m'a dit « Ah, la sociologie, c'est hyper cool. » Et comme le mec, je le trouvais intelligent, je me suis dit « Bon, allons voir. » Et donc, je suis allée un peu par hasard, mais c'est vraiment des cours que j'ai adorés là-bas. Le prof, il nous parle tout d'un coup de Bourdieu, de reproduction sociale, et il nous dit « Vous n'avez pas mérité d'être là. » J'en ai dit « Monsieur, j'ai travaillé. » La méritocratie, enfin, je ne suis pas du tout en train de dire que les gens qui sont dans les grandes écoles n'ont pas travaillé. Je dis juste qu'on ne peut pas comparer ce travail par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas réussi à rentrer. Et du coup, j'ai adoré ces cours-là, et du coup, c'est ce qui m'a fait me dire « Bon, je suis nulle en maths, je vais faire des sciences sociales. » Et je me suis retrouvée en quatrième année à me spécialiser en sciences politiques, écologie et stratégie, qui est une dominante d'approfondissement du parcours ingénieur de AgroParisTech. Et donc, c'est dominante d'approfondissement, un peu alternative, où tout d'un coup, il y a des profs qui nous parlent de controverses scientifiques, qui nous parlent de non-neutralité de la science, qui nous parlent de rapports de domination, qui nous parlent de plein de choses comme ça, qui tout d'un coup valident et mettent des mots sur des choses que j'avais pressenties avant, et ça fait vachement de bien. Et l'autre chose qui a été une autre étape, ça a été de rencontrer le collectif Former l'ingénieur citoyen d'Ingénieurs sans frontières. J'ai intégré Ingénieurs sans frontières et tout d'un coup, ça fait du bien de se retrouver, d'échanger avec d'autres ingénieurs, d'autres écoles qui partagent les mêmes critiques que nous du système. Alors, donc, il y a un manifeste qui est sorti pour une formation citoyenne des ingénieurs. Il y a toute une partie sur le fait d'enseigner que la technique et la science, ce n'est pas quelque chose de neutre, expliquer comment sont construits les savoirs et apprendre à remettre en question ses propres pratiques. Il y a toute une partie sur la notion de responsabilité individuelle et collective du cadre et de finalement comment l'ingénieur est relié au statut de cadre dans l'organisation sociale du travail et donc nous on remet ça en question. Et il y a notamment toute une partie que moi j'ai complètement découvert qui est sur la gouvernance des écoles d'ingénieurs et finalement qui pose la question de pourquoi on en est là, quoi, qui décide de
qui décide de nos formations, qui décide de du contenu, quoi. Et finalement, on se rend compte que nos instances de gouvernance, elles sont, enfin, les gens qui décident pour les écoles d'ingé, ça reflète énormément tous les mécanismes qu'on peut vivre en école, c'est-à-dire que c'est des instances qui se disent apolitiques, donc élitistes et corporatistes, voilà, ce qui est tout sauf apolitique, mais voilà. Et notamment, on s'est rendu compte que les élèves ingénieurs, c'est à la fois les moins syndiqués des étudiants, globalement il n'y a pas de syndicats étudiants dans les écoles d'ingé, et en fait, on est les plus syndiqués, mais on ne le sait pas. Parce que, en fait, la plupart des étudiants en école d'ingé adhèrent à leur bureau des élèves, leur BDE, et la plupart des BDE d'école d'ingé adhèrent au BNEI, le Bureau National des Élèves Ingénieurs. Alors, ils adhèrent pour des questions d'accès à des formations, d'accès à de l'aide pour obtenir des financements, du réseau entre écoles, etc. Et en fait, le BNEI se présente aux élections CNESER, le Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Donc, ils étaient, aux dernières élections, ils étaient sur une liste qui s'appelait Parole étudiante. Et donc, ils ont un programme qu'ils proposent et qui est tout sauf apolitique, hein, qui est plutôt de centre-droit, hein, de ce que nous, on en a lu, en tout cas, qui est en désaccord avec ce que nous, on prône. Et en fait, on se dit, mais alors, du coup, finalement, les élèves ingénieurs adhèrent à leur BDE parce que, en gros, on va élire une liste BDE, pas sur des critères politiques, en général, c'est plus sur la capacité à faire des crêpes ou à organiser des soirées, en général. Et donc, ce BDE qui adhère au BNEI, finalement, fait que par ricochet, on adhère à des idées, enfin, on donne du crédit à cette organisation politique, quoi. Et donc nous, c'est quelque chose notamment qu'on dénonce. Après, je ne vais pas revenir dans le détail, mais il y a déjà eu du syndicalisme de gauche assumé dans les écoles d'ingé, notamment l'Union des grandes écoles, qui a perdu progressivement ses financements parce que les écoles ont dit « on arrête de subventionner les assos qui sont politiques, donc ne sont restés que les assos dites apolitiques de droite ». Et ça, c'est plus développé dans une autre conférence gesticulée qui s'appelle « Vous êtes l'élite de l'élite de l'élite de la France, pourquoi je refuse mon diplôme d'ingénieur ?» de Mathieu Dalmet. Alors Mathieu, c'est lui qui m'a formé à la conférence gesticulée, donc il est membre aussi du comité. Et donc lui, il vient de Montpellier-Supagro et il parle de son expérience en tant qu'élu au conseil d'administration de son école, au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les écoles d'agro et veto. Enfin, voilà, il parle un petit peu de son chemin dans la gouvernance des écoles et il raconte un petit peu tout ce que je vous dis, des choses hyper intéressantes encore. Donc, je vous invite à aller la voir sur YouTube. Bref, j'arrive avec toutes ces réflexions en fin de diplôme. Et du coup, j'ai mon diplôme d'ingénieur, j'ai 24 ans et demi et je suis célibataire. Et du coup, je commence à me dire que pour avoir un enfant à 25 ans, ça va commencer à être difficile. Sachant que quand je suis rentrée à l'école, je m'étais dit, 3 ans de licence plus 4 ans d'école, ça fait 24 ans. Je laisse tomber l'histoire de la thèse parce que je serai trop vieille, etc. Et donc, du coup, j'arrive en fin de diplôme et donc en me disant que je ne pourrais pas avoir d'enfant avant 25 ans. Et en plus, entre-temps, ma sœur, elle avait eu un bébé. Et j'adore mon neveu et tout, mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le rendre à ses parents le soir. Du coup, j'ai commencé à me questionner, à me dire, finalement, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant ou est-ce que j'ai envie que ça conditionne mes études? Peut-être j'en aurai envie plus tard, mais voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je ne m'étais pas du tout posé comme question. J'avais pris ça comme une donnée, qu'avoir un enfant, ça fait partie de la vie. À ce moment-là, je me dis, en fait, peut-être que j'en veux pas, ou pas tout de suite. Donc, du coup, je me suis autorisée à faire une thèse. Et donc, du coup, je fais une thèse en sciences politiques à Agro-Paris-Tech. Alors, par contre, on m'avait dit que trouver des financements de thèse, c'était facile quand on est polytechnique. Alors, quand on fait une thèse en maths, oui. Quand on fait une thèse en sciences sociales, c'est plus compliqué. Voilà. Mais
Et donc, du coup, j'ai dû répondre à beaucoup d'appels à projets de financement. Et souvent, ce qu'on me demandait, c'était qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une thèse ? Alors, ma sœur, elle a eu un bébé, et du coup... on se met à raconter une jolie histoire pour que ça colle au cadre qu'on nous a demandé. Et comme c'est quelque chose qu'on m'avait déjà appris à l'école et que tout le système fonctionne comme ça, bah, finalement, on réutilise les compétences apprises, quoi. Du coup, pour récapituler un petit peu tout ce que je viens de dire, donc on a une volonté et une ambition qui sont définies socialement. On a des programmes d'égalité des chances. On a des programmes d'égalité des chances qui peuvent prendre la forme de filières de concours, plus ou moins déguisées, plus ou moins assumées. Ces filières de concours, elles vont avoir un impact sur les prérequis et les connaissances des candidats et candidates. On a des rapports de domination et des normes sociales qui vont influer sur l'autocensure des candidats et candidates. Ces rapports de domination, ils vont aussi influencer les représentations des correcteurs et correctrices, qui vont aussi influencer l'estime de soi, la confiance en soi du candidat ou de la candidate. Les programmes d'égalité des chances, c'est aussi des mécanismes de légitimation du système et d'étouffement de la critique via des mécanismes de culpabilisation individuelle ou l'autokénisme. Et finalement, la question, c'est qui ça sélectionne ? Ça sélectionne ceux qui sont le plus conformes ou le plus dociles par rapport au système. Alors, il faut savoir que cette sélection à la docilité, c'est pas du tout... obligation dans... Enfin, il y a des pédagogies alternatives qui existent et où remettre en cause l'ordre ou le professeur, c'est une autorité, c'est quelque chose de valorisé dans d'autres types de pédagogie. Si ça vous intéresse, j'ai des références à vous donner, la Belle Hooks, Paolo Freire ou Célestin Freinet, les pédagogues révolutionnaires. Donc qui ça sélectionne ? Des personnes qui ont bien intégré l'idéologie capitaliste naturalisée. Donc finalement, on a une reproduction du système dominant par valorisation de ceux et celles qui se conforment le mieux au système défini par les élites elles-mêmes. Alors la méritocratie, c'est considérer qu'il y a des gens qui méritent d'avoir plus d'argent pour leurs études, mais c'est aussi considérer qu'il y a des gens qui méritent de ne pas avoir d'argent pour leurs études. C'est considérer qu'il y a des gens qui méritent d'être en bas, quoi. La différence entre un examen et un concours, c'est qu'un examen, on peut tous avoir 18. Un concours, on aura toujours un premier et un dernier, même si tout le monde a à peu près le même niveau. Ça, c'est quelque chose qui est très vérifiable, ça s'appelle la constante macabre, si vous voulez aller chercher là-dessus, sur comment on crée la hiérarchie là où il n'y en a pas besoin, quoi. Et finalement, la méritocratie, c'est la survalorisation de la réussite individuelle aux dépens du collectif, avec toute l'idéologie entrepreneuriale, start-up et bazar qui va avec, la survalorisation de l'individu et de sa réussite personnelle. On a même des écoles où on a vu, avec un genre sans frontières, qu'il y avait des cours d'entrepreneuriat de soi. On est un entrepreneur de soi-même. L'idéologie du mérite, elle sert à faire accepter les inégalités que le capitalisme produit. Les rapports de domination, ils permettent de justifier le recours au travail dans de mauvaises conditions, le recours au travail gratuit parfois. Ça justifie le fait que certains puissent s'accaparer les ressources, s'accaparer les richesses, tout ça parce qu'ils auraient travaillé, ils l'auraient mérité. Bien sûr, tout ce que je vous raconte, c'est pas une stratégie consciente des élites qui dirigent et qui se disent « ouais, on va faire ça comme ça, parce que comme ça on va les niquer et tout ça ». Non, c'est des gens qui ont été formés dans des écoles où on leur explique qu'ils sont l'élite, qu'ils ont raison, qu'ils détiennent la raison. Et donc, ce qui est plus dangereux, c'est qu'ils sont persuadés d'avoir raison, en fait, dans la manière dont ils procèdent. Alors, quand on veut, on peut. Ouais, mais sous condition. Alors, on va dire oui. Si on abandonne, on a moins de chances d'y arriver que si on met de la volonté. Ça, je pense que personne ne pourra dire le contraire. Quand on vient d'un milieu avec un héritage culturel qui n'est pas favorisé par le système, et ben on peut compter que sur sa volonté pour y arriver. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui comptent là-dessus, quoi. Maintenant, on ne peut pas en faire un système de hiérarchisation des individus. Enfin, en tout cas, c'est dangereux d'en faire des politiques publiques, de se baser sur ces principes-là.
Et pour quand même dire quelque chose de positif sur l'école polytechnique, c'est une école où on a compris que pour étudier dans de bonnes conditions, bah, il faut des moyens, il faut rémunérer les élèves. Voilà, donc avec Ingénieurs sans frontières, on milite pour une unification de l'enseignement supérieur et de la recherche pour en finir avec le double système grandes écoles et université de côté. On peut prendre ce qui marche bien dans l'un et dans l'autre et puis surtout redispatcher les budgets et revaloriser les budgets pour les universités. Et puis voilà, mettre en place un salaire étudiant, reconnaître l'étudiant comme travailleur. Alors avant de finir, je vais avoir besoin de 3 petites minutes de pause. Je vous laisse en compagnie de gens qui critiquent la méritocratie depuis longtemps, parce que c'est pas nouveau, hein, c'est un sujet qui est traité depuis longtemps, mais ils le font d'une autre manière que moi. Alors. Au début, je pensais que le milieu des conférences gesticulées, c'était très masculin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était plein de meufs, juste on était vachement moins visibles. Donc pour essayer de corriger un peu tout ça, je vais finir en vous citant 4 copines qui sont sur des thématiques qui complètent bien ma conf et dont vous trouverez le contact sur l'annuaire des conférenciers gesticulants. Alors Claire, sa conf, elle est visible sur YouTube, elle parle de son expérience en tant que conseillère d'orientation et comment son métier, ça n'est pas d'orienter au mieux selon les envies des jeunes qu'elle reçoit, mais selon d'autres critères. Katia, qui a une conf visible également sur YouTube et qui parle de son expérience de professeur et de comment elle a essayé de mettre en place des pédagogies alternatives. La conf de Jenab, qui, elle, fait une conf sur l'enseignement de la colonisation à l'école et son impact sur la société actuelle. Et pour finir, la conf de Leïla, qui, elle, n'est pas du tout sur des questions scolaires, mais qui nous parle de la CAF, et notamment comment les critères de rentabilité économique auxquels on est biberonné dans nos écoles ont des impacts catastrophiques sur des administrations publiques. Voilà, vous trouverez toutes les sources et des lectures pour compléter en barre d'infos de la vidéo. Vous trouverez aussi le récapitulatif des pistes d'action évoquées dans la conf. Et bien sûr, n'hésitez pas à me faire vos retours ou à contacter Ingénieurs sans frontières si vous souhaitez vous investir dans l'association.